Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de vous installer autour de cette table, parce que je pense que nous avons le quorum. Donc je vais commencer par faire l'appel. Donc Jean-Paul Jandon, présent. Malika Yebri, présente. Moussa Diarra, présent. Elina Corvin, présente. Abdoulaye Sangaré, Françoise Courtin, Alexandra Wiseski, Régis Lisselman, Cécile Escobar, Éric Nicolet, présent. Béatrice Marcussi, Josiane Carpentier. Donc Maxime Cadjanon a donné pouvoir à Marc Denis. Awa Fofana a donné pouvoir à Moustapha Diouf. Thierry Thibault, présent. Sana Seitouli. Nadir Gagui, Keltoum Rojdi a donné pouvoir à Ronadia, Dominique Lefebvre, Marc Denis, présent. Hervé Chabert, présent. Marie-Françoise Arroué a donné pouvoir à Josiane Carpentier, Rachid Bouche, présent. Claire Beugnot, présent. Joël Motil, Nadia Atroubi-Safsaf, Bruno Stary, Arunadia, Anne Levaillant, Soya Le Greb, Sadek Albrous a donné pouvoir à Rachid Bouche, Moustapha Diouf, Bazitali Mougamadou Bougari a donné pouvoir à Malika Yebdri. Et il n'est pas là parce que je vous annonce quand même la bonne nouvelle, hein, parce que c'était quand même une très bonne nouvelle. Il vient d'avoir une petite fille, Inaya, aujourd'hui à exactement 14h39. Voilà. Il y a toujours des bonnes nouvelles comme ça. Donc, Radia Leroux a donné pouvoir à Jean-Paul Jandon, Thierry Sébiude. À qui? Jacques Vasseur. Tatania Priez. Mohamed Béril. Mohamed Traoré. D'accord. Rémi Amélie. Armand Payette. Sandra Marta. Donc Armand Payette. Jacques Vasseur. Marie-Annick Pau. Mohamed Béril, Marie-Isabelle Pomader, et Jean Mauclair. Donc voilà, donc on a une liste complète. Secrétaire de séance, donc Tatiana Priez n'étant pas là, c'est Souria Lougreb. Est-ce que Souria, qui est présente, accepte? Voilà, il n'y a pas de procès verbal, voilà, il n'y a à approuver, il n'y a pas de questions diverses. Donc, nous avons un ordre du jour. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on passe le seul point à l'ordre du jour, qui est l'exposé des motifs numéro 10, qui est la contractualisation avec l'État. On a après une motion... vœux pour une territorialisation de la compte de réduction climat-énergie que tout le monde normalement a dû avoir. Et après, on passera, si vous êtes d'accord sur le process, à l'ordre du jour qui normalement est sans... Ah, la motion est à la fin? Donc la motion sera à la fin. Donc on, voilà, l'ordre du jour habituellement, et on passera la motion à la fin, en espérant qu'il ne soit pas trop tard pour la passer. Donc je vous propose de passer maintenant au premier point de cet ordre du jour, qui est l'exposé numéro 10, qui est en débat, qui est la contractualisation avec l'État. Et donc, à ce titre, je donne la parole à Malika Yebri. Bien, bonsoir à tous, mesdames, messieurs, mes chers collègues.
La loi de programmation des finances publiques pour 2018-2020 a fixé des objectifs de réduction de l'endettement public local et d'évolution des dépenses publiques des collectivités locales. Alors, il y a deux principes. La limitation de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2% par an, avec comme année de référence l'année 2017, donc le compte administratif, et un plan de mandature portant la réduction du besoin de financement de 2,6 milliards d'euros par an, soit un désendettement de 13 milliards d'euros par an au total à l'horizon 2022. Alors il m'appartient de vous préciser quelles sont les réalités, le cadre dévolu à cette proposition de contractualisation. Signée le 16 mars, elle concerne 322 collectivités territoriales et EPCI, 145 communes exactement, dont Cergy. Les règles de ce contrat, c'est que les collectivités et les EPCI dont les dépenses de fonctionnement dépassent les 60 millions d'euros par an ont le choix de signer un contrat entre le préfet et les collectivités d'ici au 30 juin. Dans ce contrat, ils s'engagent à ne pas dépasser un taux de croissance des dépenses de fonctionnement de 1,2% par an, inflation comprise. C'est important de le préciser. Ce taux peut être modulé à la baisse ou à la hausse de 0,15% selon plusieurs critères. Il y en a trois. La démographie, le revenu moyen par habitant et les efforts faits ces dernières années en matière de maîtrise des dépenses. Donc, de fait, les collectivités concernées se verront appliquer une sanction financière si la collectivité dépasse son taux de croissance de dépenses de fonctionnement. Elle subira une reprise financière de la part de l'État qui considérera l'écart entre l'objectif et les dépenses réelles constatées, et l'État reprendra la différence pour les collectivités, pour celles qui ont contractualisé, elle reprendra la différence à hauteur de 75%, et pour celles qui ne le feront pas, l'État reprendra à hauteur de 100% les recettes réelles de fonctionnement. C'est donc un dispositif de surveillance renforcé qui est mis en place, et nous pouvons bien légitimement nous interroger sur le processus à l'œuvre. Ce pacte marque notamment un changement profond dans la relation entre l'État et les collectivités. Nous sommes, comme un très grand nombre d'élus locaux, attachés aux lois sur la décentralisation et forcés de constater que le processus inverse est à l'œuvre. À l'image de ce début de quinquennat, ce pacte financier marque une offensive manifeste vers une logique de recentralisation qui est malheureusement d'ores et déjà à l'œuvre. Pour autant, il convient de considérer dans ce cadre la situation de notre commune. À l'instar de notre collectivité, Cergy est donc concrètement, d'autres collectivités, Cergy est donc concrètement impactée, alors même que la ville se situe dans une situation financière saine et qu'elle doit accompagner son développement, son évolution, et donc par cela, l'accueil de populations nouvelles, la livraison d'équipements publics de proximité, les écoles, les crèches. Nous n'avons eu de cesse de rappeler à l'occasion de l'ensemble des débats que nous avons tenus dans cette assemblée notre volonté à la fois de maintenir les équilibres financiers, mais de nous engager dans des politiques ambitieuses à destination des Cergissois, tout en gardant un regard constant sur notre capacité à investir et à livrer les outils de l'accueil de ces populations nouvelles. Je veux notamment porter à votre sagacité, à la fois l'investissement que nous avons en matière de politique publique de petite enfance, d'éducation notamment, mais aussi le fait que nous engageons très concrètement chaque année un plan pluriannuel des investissements, et l'année 2017 en est une belle représentation à ce titre. Nous avons donc accompagné l'évolution de ce territoire. Nous avons maintenu, et ce, malgré la baisse constante des dotations de l'État depuis le début de cette mandature. Nous avons maintenu à la fois notre soutien aux acteurs dans un contexte de désengagement de l'État. On pourrait parler des contrats aidés, dont
de nombreux clubs sportifs et d'associations de ce territoire qui portent l'image de notre ville en sont les principales victimes. Oui, depuis le début de ce mandat marqué par la baisse des dotations, nous avons continué à faire de ce projet de territoire voulu par les aménageurs de la ville nouvelle un territoire où tous sont accueillis, où tous les Sergissois trouvent des réponses, une ville innovante, attractive, et cette ambition perdurera dans les années à venir, car il est de notre responsabilité d'aller au bout des engagements pris auprès des Sergissois. Alors, dans ce contexte où l'État contraint les dépenses communales, alors même qu'il continue sa politique de transfert de charges, c'est confronté au principe de réalité que nous avons engagé dans le cadre de cette contractualisation des discussions avec l'État. Comme beaucoup de collectivités, EPCI. Les discussions ont été nombreuses, complexes. Nous avons défendu pied à pied les spécificités de notre commune, les évolutions liées à notre développement, les enjeux pour les Sergissois et pour notre territoire, de ce qui nous est imposé aujourd'hui par cette loi de programmation de finances. Ces enjeux ont été partiellement retenus, puisque la collectivité répond aux critères démographiques, qui est le premier critère. Il y avait critères démocratiques, graphiques, revenus médians et la capacité de la ville à épargner sur les charges courantes. La ville bénéficiera donc, au-delà du 1,2 inflation comprise, d'un plafond à 1,35%. Alors évidemment, c'est peu. Mais c'est profondément conscient que l'alourdissement du montant des sanctions financière éventuelle en cas de refus de contractualiser. C'est avec cet enjeu en tête que nous, en responsabilité, parce que nous sommes confrontés à la gestion du quotidien de cette ville, et parce que la situation des communes est quand même très différente de celle des départements et de celle des intercommunalités, pour toutes ces raisons, et parce que le fait de ne pas contractualiser représenterait une perte sur le contrat, c'est-à-dire sur les 3 prochaines années, d'1,6 million par an, que nous vous proposons d'approuver le projet de contrat et d'autoriser le maire à le signer. Merci. Qui souhaite prendre la parole? Alors, je prends les prises de parole. Alors, Armand Payette. Bien, merci, monsieur le maire, chers collègues, madame la maire adjointe. D'abord, sur la forme, permettez-moi de déplorer le fait que nous n'ayons reçu les documents que très tardivement, c'est-à-dire hier soir, ce qui permet une analyse, malgré tout, des enjeux, du moins, et du principe, même si, évidemment, nous aurions préféré obtenir ces informations plus tôt au regard des enjeux de cette délibération. Et je crois qu'il manque d'ailleurs, dans ce qui a été écrit dans cette délibération, un certain nombre de précisions financières par rapport à ce que vous évoquiez. C'est un enjeu qui est majeur parce que la contractualisation, elle va nous engager pour les 3 prochaines années. Et elle nous engage sur le plan budgétaire, comme elle nous engage sur le plan politique, puisqu'évidemment, quand on construit un budget, on le construit pour porter des politiques publiques. Et lorsqu'on est contraint sur le budget, on est contraint dans les politiques publiques qui sont évidemment appliquées ici et là. Cette contractualisation, elle est donc structurante pour la ville de Cergy, mais elle dépasse le strict cadre cergissois, si vous me permettez. C'est par là que je vais commencer. Il faut faire un peu l'historique. L'État n'a pas voté son budget en équilibre depuis 1975. La crise est passée par là depuis maintenant près de 10 ans. Et la participation des uns et des autres aux efforts de réduction du déficit public a pris plusieurs dimensions. La première, c'était une stabilisation des dotations versées par l'État sur la fin du mandat du quinquennat Sarkozy. Ensuite, ça a été une réduction drastique des dotations de l'État aux collectivités locales sous le mandat suivant pour un effort qui, on en a déjà débattu,
mais nous apparaissait particulièrement sévère et disproportionné au vu de l'enjeu des finances locales par rapport aux finances nationales. Je m'en explique. Certes, les collectivités locales et leurs dépenses ont progressé vite ces dernières années, et donc il était logique que les collectivités locales participent au redressement des finances locales entre 2012 et 2017. Cela va de soi. En revanche, la question était et est toujours celle de l'ampleur de cette participation. Or, il nous apparaît utile de préciser et de rappeler que les collectivités locales, c'est 20% de la dépense publique, c'est 10% seulement de la dette publique, et c'est du déficit qui, aujourd'hui, est proche de zéro, et au moment où la décision de réduction des dotations de l'État a été prise, était autour de 10%. Et donc, on a demandé à ce moment-là une contribution extrêmement forte des collectivités locales, particulièrement disproportionnées au regard de leur propre situation financière, qui par ailleurs dans l'ensemble est correcte et saine, puisque je le rappelle, l'endettement des collectivités locales est faible et elle ne génère pas ou peu de déficit. Pourquoi ? Parce que le cadre budgétaire dans lequel s'inscrivent nos politiques publiques, ce cadre budgétaire, il est très contraignant déjà. Nous avons, nous, en tant que collectivité locale, nos règles d'or. Nous votons des budgets à l'équilibre, ce que l'État ne s'impose pas. Nous ne pouvons pas emprunter pour autre chose que pour investir, ce que l'État ne s'impose pas. Et donc, l'État, plutôt que de décider de faire ses propres réformes sur son administration à lui, a choisi pendant longtemps de repousser l'essentiel des efforts sur les collectivités locales, qui par ailleurs sont vertueuses, comme je l'ai rappelé. Et donc, on aurait pu espérer qu'avec la contractualisation telle qu'elle a été envisagée sous le nouveau quinquennat, les choses changent. En tout cas, l'esprit avait été annoncé comme étant nouveau parce qu'il fallait définir un nouveau contrat de confiance avec les collectivités locales. Et donc, on place toujours beaucoup d'espoir quand on nous dit effectivement qu'on va renouveler la méthode, changer le paradigme et proposer quelque chose qui soit neuf et qui soit mieux à l'écoute de ce qui se passe localement. En réalité, ce qu'on observe aujourd'hui est très éloigné de tout ceci parce que l'État prévoit pour 2018-2022 13 milliards d'économies à nouveau sur le dos des collectivités locales quand lui n'en fera quasiment aucune. L'État impose par ailleurs d'autres contraintes sur les collectivités locales quand lui ne s'impose toujours pas des règles d'or. Et par ailleurs, l'État impose aux collectivités locales des dépenses supplémentaires et en même temps leur demande de faire des efforts sur leurs dépenses. Parce que le point d'indice des agents publics augmente, parce qu'il y a la mise en place du PPCR, plan professionnel, carrière et rémunération, ce qui sont de très bonnes choses, je ne suis pas en train de les remettre en cause, mais je dis simplement que l'État décide d'autorité l'augmentation d'une partie des dépenses des collectivités locales, tout en leur demandant de réduire leurs dépenses de fonctionnement et donc d'offrir moins de services publics. Et à quoi est-ce qu'on aboutit quand on met en œuvre ces mesures-là ? À des décisions qui sont dans l'esprit positives, parce qu'on signe un contrat entre la collectivité locale et l'État, et donc quand on est sur un contrat, on échange des engagements et éventuellement des concessions. Mais en pratique, la réalité est tout autre. Parce que l'État dit aujourd'hui, pour les 322 collectivités locales concernées, ce sera une augmentation des dépenses fixée à 1,2%. Je rappelle que dans le projet de loi de finances, les dépenses de l'État, elles, vont augmenter à un rythme différent. Donc pour les collectivités, les 322, c'est 1,2%. Ce calcul, sans entrer dans le détail, lui-même pose question, parce qu'on aurait pu imaginer quelque chose de simple pour que les citoyens comprennent simplement ce dont il s'agit, en disant « je prends les dépenses réelles de fonctionnement et j'applique un coefficient de 1,2 ». En réalité, il y a des retraitements dans lesquels, je ne vais pas rentrer ici parce que ça va finir par perdre tout le monde, mais des retraitements qui sont juste, pour ne pas dire pas logiques,
à minima surprenant dans la démarche qui est adoptée. À ce 1,2% appliqué sur une base donc, dont j'ai dit que le calcul était pour le moins surprenant, on applique ensuite des coefficients de modulation, 15 points de base, plus 15 points de base, plus 15 points de base éventuellement. Et c'est censé être la marge de manœuvre que l'État, en la personne du préfet, aurait avec les collectivités locales. En réalité, c'est 3 fois 0,15% sur les critères qui ont été évoqués à l'instant par la maire adjointe. Ils sont calculés de façon statistique ou mathématique ou automatique, dites-le comme vous le souhaitez, mais en aucun cas, ils ne tiennent compte de la réalité des politiques publiques qui sont portées ici et là. En aucun cas, ils ne laissent une réelle marge de manœuvre et de négociation entre le représentant de l'État par la personne du préfet et la collectivité locale. Et donc, la méthode qui est proposée, la méthode qui est employée par le législateur, vient nier tous les efforts qui sont faits par les collectivités locales sur leur territoire. La méthode remet en cause la démocratie locale parce qu'elle grève les élus locaux, le maire en tant qu'ordonnateur, de leurs moyens d'action sur leur territoire. Parce que cette méthode est une méthode technocratique qui ne tient pas compte des politiques publiques passées, qui ne tient pas compte des évolutions observées sur un territoire, qui ne tient pas compte des besoins de ces populations qui diffèrent en fonction de là où on se trouve sur le territoire national. Et donc, ces critères sont imposés d'autorité par l'État sans que les uns les autres aient eu l'occasion, d'en discuter. Et donc, nous, on considère qu'un contrat, comme je le disais, c'est un engagement de concession et d'engagement. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que si on fait les économies, c'est nous qui portons l'effort. Si nous ne faisons pas l'économie, l'État baisse les dotations qu'il était censé apporter aux collectivités locales. Dans tous les cas de figure, la collectivité est perdante. Ça n'est pas un contrat. Ou alors, c'est un contrat de l'OSIF. Parce que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui gagne et l'autre qui perd. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre situation ou hypothèse ou alternative possible avec la contractualisation telle qu'elle est envisagée, alors que dans le même temps, l'État, lui, ne fait aucun engagement. Et dans le même temps, l'État n'apporte aucune nouvelle recette fiscale aux collectivités. Bien au contraire, il a tendance à en retirer. Et donc, cette situation qui est particulièrement inique vient affaiblir l'autorité des collectivités locales, vient distendre encore plus le lien qu'il y a entre les élus locaux et la démocratie. Et je crois pouvoir dire, sans trop trahir la pensée des uns et des autres, que tous autour de cette table, nous pensons que les élus locaux sont le premier rempart aux extrémismes politiques. Parce que les élus locaux sont en contact de la population. Parce que les élus locaux connaissent la réalité du terrain. Parce que les élus locaux, en connaissance de cause, portent des politiques publiques. Et si on leur ôte leur capacité à agir, leur capacité à aller au contact, leur capacité à porter des politiques publiques de proximité, si on leur ôte ceci, alors on distend le lien démocratique qu'il y a entre les uns et les autres. Et ceci ne peut pas être accepté. Donc ça relève de la posture. Maintenant, concrètement, pour Cergy, de quoi est-ce qu'on parle ? Après les calculs que je qualifie d'ubuesques sur les dépenses réelles de fonctionnement, on a à Cergy un objectif qui est, pour l'année 2018, de 70 830 199 euros si on fait la contractualisation, c'est-à-dire ces fameux 1,35% qu'on applique au résultat qui a été obtenu sur le compte administratif 2017. Si on ne respecte pas cet objectif, on perd une partie de nos dotations. Si on le respecte, c'est qu'on aura dû faire des économies sur nos dépenses de gestion. Donc dans les deux cas, on est perdant. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est que entre le BP 2017, où nos dépenses réelles de fonctionnement calculées à la sauce circulaire s'élevaient à 73,2 millions d'euros, et le CA 2017, où nos dépenses de fonctionnement calculées à la sauce circulaire s'élèvent à 69,886 millions d'euros,
le taux de réalisation de nos dépenses de fonctionnement à la sauce circulaire, c'est 95,4%. Et donc j'invite mes collègues à ne pas tomber sous le coup de l'agitation du chiffon rouge et à être très vigilants sur les chiffres qui peuvent être donnés éventuellement par le préfet ou autre. Si le taux de réalisation de notre budget 2018 est dans l'étiage de ce qu'il a été en 2017, alors nos dépenses de fonctionnement seraient à 69,9 millions d'euros, c'est-à-dire en dessous de l'objectif qui est fixé dans le cadre de la contractualisation. Alors, moi, j'ai envie de dire, faisons confiance à nos services qui ont permis en 2017 de proposer une exécution budgétaire de 95%, le montant du budget primitif. Je m'excuse, j'ai perdu tout le monde avec des considérations techniques, mais pourtant elles sont importantes. Et de me dire, et de nous dire que si notre taux de réalisation en 2018 est le même que celui de 2017, après tout, si on a réussi à le faire en 2017, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire en 2018, si ce taux de réalisation est le même, il n'y a pas besoin de contractualisation. On ne perd rien, on est dans l'étiage de ce que la loi nous demanderait, malgré tous les efforts que j'ai évoqués plus tôt. Si ce taux de réalisation était amené à se dégrader, si on n'est pas à 95% mais à 96%, c'est la même chose, ça ne change rien. Si on est à 97%, on commence à perdre un petit peu. Et après, tout ce qui est au-delà de 97% de réalisation nous fait perdre au maximum 450 000 euros. Parce que vous disiez tout à l'heure 1,6 million x 3 sur les 3 années qui viennent, c'est vrai. Mais c'est 1,6 million sans tenir compte des efforts qu'on doit faire sur les dépenses si on respecte le contrat. Et donc le delta entre signé et pas signé, c'est au maximum, dans l'hypothèse où nos services ne seraient plus capables de faire à l'avenir ce qu'ils ont fait l'année dernière, serait au maximum de 450 000 euros, selon mes calculs. Vous avez probablement des choses plus fines de votre côté, c'est peut-être plus 500 que 450, ou 400 plutôt 450, qu'importe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas écouter les oiseaux de mauvais augure, il ne faut pas se faire peur pour rien. Il faut juste regarder la réalité en face. Et la réalité, c'est que si on va dans la contractualisation, on distend le lien entre les citoyens et les élus locaux. La réalité, c'est que si on va dans la contractualisation, on perd nos moyens d'action. La réalité, c'est que si on va dans la contractualisation, on est placé sous la tutelle budgétaire de l'État qui décide d'autorité du montant des dépenses de fonctionnement que vous pouvez appliquer. La réalité, c'est que si on va dans la contractualisation, on ne tient pas compte de la situation financière passée de la collectivité, celle de Cergy, dont on parlera peut-être si on aborde la question du compte administratif 2017. Bref, la réalité, c'est que si on fait la contractualisation, on est pieds et poings liés, on n'a plus notre mot à dire, on ne contrôle plus ni nos dépenses, ni nos recettes, et donc on fait ce que font peut-être beaucoup de collectivités, c'est-à-dire d'aller à la potence comme les pendus condamnés à mort. Or, moi, je crois qu'en tant qu'élus locaux, nous avons un devoir de responsabilité. Et notre devoir de responsabilité, c'est justement d'aller expliquer aux citoyens, lorsque le législateur se trompe, les raisons pour lesquelles il se trompe, parce que ce n'est pas le principe de la contractualisation qui est mis en cause, c'est bien son application dans le cas présent. En tout état de cause, l'Association des maires de France, l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, la plupart des départements, par exemple, vont voter contre la contractualisation. Et moi, je crois que ce conseil municipal ne doit pas partir pieds et poings liés sur une contractualisation. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas eu la démonstration qu'elle nous coûtait quoi que ce soit. Si j'ai Thierry Thibault. Oui, je pense que ce débat, on regrette un petit peu que ce débat arrive un petit peu tard. Nous, on aurait souhaité qu'il y ait un débat citoyen sur les conséquences de ces choix budgétaires. Et sachant que le débat, il est difficile quand l'État, à un moment donné, fait les poches des collectivités locales. On voudrait dire aussi que le débat, ça a été rappelé par M. Payet, n'est pas un débat interne cergissois. Mais c'est bien une prise de position politique vis-à-vis de l'État qui aujourd'hui
impose aux collectivités de faire des restrictions budgétaires. Ce qu'on sait, c'est que l'État le but de l'État est de renflouer les caisses de l'État de 13 milliards d'euros. Et à ce titre-là, le gouvernement met à contribution les collectivités à travers la contractualisation. Le gouvernement vise ainsi la baisse des dépenses de fonctionnement avec des menaces de sanctions financières. Cette limitation de la hausse des dépenses de 1,2 à 1,35 annuel a été décidée sur un coin de table, comme les 3% de déficit au niveau européen. On est bien dans une politique budgétaire. Je vais entendre aujourd'hui des défenseurs, peut-être des gens qui ont dit avant que c'était pas que l'Europe avait raison dans cette fixation du 3% des déficits budgétaires. Cette remise en cause de la libre administration qui a été dit là, de toute collectivité revient à mettre la ville de Cergy sous tutelle de Bercy. Le gouvernement nous prive ainsi de toute souveraineté budgétaire. Pire, là, aujourd'hui, en signant le contrat des sanctions, les sanctions financières s'appliqueront de toute manière. Cette épée de Damoclès ne prend en compte ni l'inflation, ni l'évolution des carrières des agents, ni l'augmentation des populations. Pour maintenir aujourd'hui un niveau de service par habitant constant, ce sont au bas mot plus de 3,5 points de hausse de dépenses que les collectivités, que la nôtre, devrait engager d'ici à 2022. Or, ce dont nous avons besoin à Cergy, c'est de pouvoir lutter contre la pauvreté, de permettre à plus de citoyens d'avoir accès au logement, d'avoir accès à un service public de qualité, d'investir pour une meilleure qualité de vie dans notre ville, et non pas d'aider l'État à respecter une règle d'or européenne absurde. Normalement, dans un contrat, les deux parties négocient, or, ici, ce n'est pas le cas. Pire, en signant ou non ce contrat, les sanctions financières s'appliquent. La ville de Cergy, qui a été saluée par la presse nationale comme une des villes les plus dynamiques de France, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Figaro qui l'a dit l'an dernier, doit malgré ses besoins d'investissement public et les taux d'emprunt historiquement bas diminuer sa capacité d'investissement. En réalité, quand une commune progresse en nombre d'habitants, comme c'est le cas à Cergy, l'État va contraindre la ville à mettre moins d'argent par habitant. L'État dit que pour les collectivités qui signeraient, il y aurait des contreparties, sans que cela soit bien clair, et je n'ai pas bien compris tout à l'heure, on m'expliquera peut-être, le contrat que a donné le préfet tout à l'heure, enfin que j'ai lu tout à l'heure, parce que effectivement je l'ai reçu assez tard. Cela se traduirait par des bonus de soutien à l'investissement. Refuser cette contractualisation n'est pas aujourd'hui une question de principe, c'est une décision politique. Enfin, la contractualisation exige des élus locaux qu'ils engagent leur évolution budgétaire pendant 3 ans, c'est-à-dire au-delà de leur propre mandat. C'est pourquoi je, avec Anne Levaillant, refusons clairement la contractualisation et appelons notre Assemblée à ne pas céder au chantage du gouvernement. Je vous remercie. Dominique Lefebvre. Mes chers collègues, la délibération que nous propose d'adopter le maire a pour objet de l'autoriser à signer le contrat que l'État entend imposer à la ville de Cergy. Et si j'ai bien compris la note qui nous a été adressée tardivement hier, sur laquelle je vais revenir, à la fois sur le délai d'envoi tardif et son contenu, au motif que nous sommes dans un rapport de force défavorable avec l'État, vous parlez dans votre note, monsieur le maire, de situation d'infériorité, et au motif que l'intérêt de la ville serait de signer. Je dois vous dire que ni dans la note que vous nous avez adressée, qui ne permet pas un débat clair et serein, ni dans l'exposé de la première adjointe chargée des finances, je n'ai trouvé d'argument à la justification de l'intérêt sur le plan de la gestion de la ville de signer ce contrat, et j'avoue ma plus grande perplexité sur le choix politique que vous nous proposez. Le sujet est d'importance.
C'est effectivement un sujet d'abord sur la situation des finances publiques nationales et locales. Il nous arrivait d'avoir des avis divergents sur ce sujet. J'ai moi-même participé de cette politique lorsque j'étais député, représentant cette circonscription et notamment cette ville. Parce que, effectivement, nous avons ce devoir, devoir pour l'avenir du pays, maîtriser les finances publiques. Je voudrais simplement rappeler que, sous le précédent gouvernement, je le dis notamment à Armand Payette, les dispositions que nous avons prises ont été doubles. C'était d'une part une baisse de dotation, c'était d'autre part une même péréquation. Et donc, la différence que je veux déjà noter entre ce qu'a fait le précédent gouvernement et ce que souhaite faire l'actuel gouvernement, c'est que sous le précédent gouvernement, la ville de Cergy n'a quasiment pas été impactée, monsieur le maire, par la baisse des dotations d'État, de la dotation générale de fonctionnement, parce qu'elle a bénéficié des augmentations que nous avons votées de DSU ou de FSRIF qui ont compensé. Et que par ailleurs, et d'ailleurs tous vos rapports sur les comptes administratifs et sur l'évolution des recettes réelles de fonctionnement de cette collectivité qui porte d'une part sur les dotations d'État, d'autre part sur les impôts, et donc sur la politique que j'ai conduite dans cette ville depuis 1995, notamment de développement urbain, qui a donné à cette base, à cette ville, une assiette fiscale lui permettant de faire, comme d'ailleurs, puisque j'ai la vision sur l'ensemble de l'agglomération, toutes les communes qui ont, ces dernières années, assumé, y compris avec des débats politiques difficiles, le développement urbain, sont aujourd'hui les communes qui sont dans des situations financières qui leur donnent de la liberté. Donc, sur ce premier point, il y a un débat. Et moi, je ne change pas d'avis, et donc je considère que cette question de la maîtrise des dépenses publiques est une vraie question. La vraie question qui est posée, c'est la méthode et les choix qu'emploie ce gouvernement. La question est de savoir si le dispositif voté par le législateur est juste. Mon analyse est qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas parce qu'il ne prend pas en compte les efforts de gestion passés. Il ne l'est pas parce que les critères qui ont été fixés de modulation de l'effort ont été fixés à un niveau tellement bas qu'ils ne sont pas applicables en Île-de-France, ce qui fera que d'ailleurs la plupart des collectivités d'Île-de-France qui doivent contractualiser ne le feront pas. Parce que les taux d'évolution de population de construction de logements, la part de la population en politique de la ville ou les évolutions de gestion ne sont pas adaptées. Et ce qui va pénaliser et pourrait pénaliser des collectivités qui ont fait de nombreux efforts de gestion, c'est le cas de la communauté d'agglomération par exemple, qui portent des projets de développement, qui ont une croissance de population et de logement. L'agglomération de Cergy-Pontoise construit 2000 logements par an et l'État dit 1-2 et je ne veux rien voir. C'est parfaitement injuste et en plus, parce que je vais revenir, parce que je pense que vous vous laissez aller sur la phraseologie utilisée par le représentant de l'État dans le département, avec cette idée qu'il y aurait une négociation, une prise en compte des réalités locales, ce qui est complètement faux. Il n'y a pas de prise en compte des réalités locales, il n'y a pas de négociation locale, donc le dispositif, effectivement, pose problème sur le fond. C'est un enjeu qui est aussi un enjeu pour nous par rapport au projet de ville à tenir, puisqu'on a les moyens de le tenir, on n'a pas les moyens de le tenir. Et on choisit la manière dont on le tient. C'est enfin un enjeu politique, notamment parce que, et ce n'est pas de notre fait, la méthode actuellement employée par le gouvernement, les discours tenus par les préfets à la demande du gouvernement, créent sur cette affaire de contractualisation un enjeu politique, puisque les préfets sont aujourd'hui payés par le gouvernement, en tout cas en instruction par le gouvernement, de faire pression sur les élus locaux, de procéder au chantage à la contractualisation, indépendamment même, je vais y revenir, de la réalité du texte législatif. Alors moi, je vais vous dire, mes chers collègues, dans cette situation, d'abord, c'est question de tempérament en ce qui me concerne. Moi, je ne sais plus, il y a un jour, quelqu'un m'a dit qu'un de nos anciens au Parti Socialiste, quand j'y étais,
Jean Popren avait dit que la politique, c'est l'art du rapport de force. Moi, je ne me résous pas à internaliser un rapport de force défavorable aux collectivités vis-à-vis de l'État. Et je ne me suis jamais résolu, à plier à une quelconque forme de chantage, à une quelconque forme de pression. Et je n'ai d'ailleurs, dans les années où j'ai présidé ce conseil municipal et dans ma fonction de président d'agglomération, moi-même, jamais utilisé une quelconque pression ou un quelconque chantage sur un quelconque vote en pleine liberté. Moi, j'ai toujours préféré, monsieur le maire, la force des convictions à ces méthodes que je considère finalement mettant à mal la démocratie. Alors, sur un débat de ce type, il aurait été nécessaire, monsieur le maire, que nous puissions délibérer dans cette assemblée de manière sereine, de manière transparente, de manière complètement informée. Ce n'est pas le choix que vous avez fait. Nous avons reçu hier soir cette note, accompagnée d'un projet de contrat. Dans le mail qui m'a été envoyé, il était indiqué que tout ça était lié à la poursuite des négociations avec l'État. Vous nous direz probablement ce que vous avez cherché à négocier avec l'État, mais que vous n'avez pas obtenu. Parce que le taux de 1,35 pour la ville de Cergy, mes chers collègues, est un taux qui a été annoncé par le préfet dans un courrier au maire le 8 juin dernier, c'est donc le taux d'aujourd'hui. J'en avais moi-même eu confirmation le 20 juin, donc je ne comprends toujours pas pour quelles raisons nous n'avons pas eu cette note avec l'envoi de l'ordre du jour, qui, comme ça s'est vu dans de précédents conseils, entache, vous le savez, si cette délibération était adoptée, entache cette délibération d'illégalité. Premier motif d'illégalité. Le deuxième motif d'illégalité, c'est que la note telle que vous l'avez déposée ne permet pas au conseil de délibérer valablement parce qu'il manque des informations. Soit par des inexactitudes, si elles sont involontaires, c'est inquiétant. Dans une autre hypothèse, je ne commente pas. Et il manque des données. Donc, moi, je souhaite que chacun des 45 membres de ce conseil municipal soit parfaitement informé des dispositions du texte. La première, elle est sur le fait que la contractualisation et la signature de contrat engagerait des minorations ou des majorations, et qu'en l'absence de signature du contrat, la ville n'en bénéficierait pas. C'est parfaitement faux. C'est ce qu'écrivent les préfets, à la demande du gouvernement. Le texte de loi est très clair. Le texte des lois prévoit des majorations et des minorations sur la base de critères très précis. Il dit bien, il peut parce que, au niveau régional, ils essaient de faire une balance entre les plus et les moins, ils essaient d'arriver à 1-2 à la fin, ce qui est quand même légèrement discrétionnaire. Mais il est faux de dire qu'en droit, et je tiens à disposition l'article 29 de la loi de programmation des finances publiques, il est faux de dire en droit que l'absence de signature entraîne l'absence de majoration. En l'espèce d'ailleurs, le contrat que vous nous avez adressé, monsieur le maire, dit très clairement que la ville ne bénéficie pas de la majoration au titre des quartiers QPV puisque c'est 14% de la population. Elle ne bénéficie pas d'efforts de gestion parce qu'elle n'a pas un écart par rapport à la moyenne des collectivités de même nature suffisant. Et elle dit, la ville de Cergy a une croissance de population supérieure à 0,75% à la moyenne, donc elle a droit à 0,15%. Alors, donc le droit est là. Donc, je le dis très clairement, il n'y a pas besoin de signer ce contrat pour obtenir le bénéfice du 0,15. Ou alors, mais j'y reviendrai dans ma conclusion, nous ne sommes plus exactement dans la même conception de l'état de droit, ni dans la même conception de la République. Sur les autres aspects, puisqu'il a été évoqué que la signature du contrat entraînait une possibilité de majoration des dotations que l'État accorde dans le cadre du FSIL, qui est une dotation dont, je rappelle, nous avions mis en place justement pour accompagner la baisse des dotations d'État, dont la communauté d'agglomération bénéficiait jusqu'à présent, à ma connaissance, la ville de Cergy
n'a fait aucune demande au titre du FSIL. Je rappelle là encore que la majoration des dotations du FSIL, qui pourrait aussi, dans une république bananière, être accordée à la tête du client entre ceux qui auraient baisé le sceau du souverain et ceux qui auraient refusé de le faire, elle n'est pas liée à la signature du contrat. Le texte dit très clairement que la majoration provient du fait que l'objectif d'évolution de la dépense de 1,2 est respecté ou pas. Et d'ailleurs, j'espère que c'est bien ça, parce que la communauté d'agglomération, elle, votera un budget supplémentaire la semaine prochaine qui la mettra dans la trajectoire du 1,2. Elle sera dans sous d'un 2, elle a des dossiers du FSIL, elle aura la majoration parce qu'elle aura respecté la dépense. Et le cas contraire qui est qu'une collectivité qui aurait signé un contrat mais aurait dépassé la limite, elle aurait une majoration alors que celle qui a été en dessous de l'évolution de la dépense ne l'aurait pas, nous amènerait dans un fonctionnement quand même assez inquiétant de notre République et de la conception qu'a l'état des choses. Je le dis parce que dans les lettres du préfet, il y a toujours ces ambiguïtés. La première lettre qu'il vous a envoyée comme à moi, monsieur le maire, en avril, disait « la collectivité doit ». J'ai fait observer au préfet, que je connais bien par ailleurs, que ce n'était pas le texte, que c'était contraire à l'article 72 de la Constitution sur la libre administration. D'ailleurs, que la loi elle-même dit qu'il faut une délibération du Conseil, donc on peut ne pas voter. Puis alors, il ajoute maintenant, dans la dernière lettre qu'il nous envoie, « à défaut de contrat, vous aurez un plafond de dépenses ». Je vous rappelle que, contrat ou pas contrat, il y a toujours un plafond de dépenses. Donc, ça ne change rien. La seule chose, finalement, entre contrat ou pas contrat, c'est la pénalisation à hauteur de 75% ou de 100% du dépassement. C'est le seul sujet. Alors, ce sujet, il faut le mesurer sur le plan financier. Et après, l'analyser par rapport à l'intérêt de la ville et par rapport à l'ensemble du dossier, y compris politique. Je vois bien que dans votre note, en fin de note, vous balayez en disant « problème de principe n'ont pas à être pris en compte, c'est l'intérêt ». Ben si, les problèmes de principe doivent être pris en compte. Et l'intérêt de la ville doit l'être. De ce point de vue-là, vous ferez observer que votre note ne donne aucune indication sur ce que pourraient être les dépassements éventuels de la collectivité sur les années 2018, 2019, 2020. J'ai d'ailleurs observé, je ne suis pas certain que ce soit exactement conforme, si ce n'est au texte au moins à son esprit, que lors du débat d'orientation budgétaire du 15 février dernier, vous n'avez pas donné l'évolution prévisionnelle des dépenses en 2018, 2019, 2020. Donc mes chers collègues, pour l'instant, au vu des chiffres donnés par le maire, moi je ne connais qu'un seul chiffre. C'est le budget primitif voté en 2018. Dans le périmètre de contractualisation. Les choses sont claires. Je crois que M. Armand Payette a regardé les chiffres comme moi. Le budget primitif que nous avons voté serait en excédent d'1,450 million euros à peu près par rapport à l'objectif du 1,35. Sachant que, je le dis aussi pour la petite histoire, entre 1,20 et 1,35, c'est 100 000 en 2018, 200 000 en 2019, 300 000 en 2009. En 2020, c'est pas rien, mais enfin, c'est pas non plus l'essentiel. 1 450 000. Donc, à supposer qu'on exécute intégralement ce budget, signer le contrat, c'est une chose simple. C'est effectivement dire, je vais sauver 342 000 euros de baisse de dotation en 2019, mais je signe et j'accepte que l'État en 2019 baisse les dotations d'État d'1,2 million, d'1,1 million. Je l'accepte, je le signe, je le contractualise. Très bien. À l'horizon 2020, dans vos trajectoires actuelles, celle qui porte sur une augmentation de 3,3% du budget en 2018, de 2,3% en 2019 et de 2,7% en 2020, en tout cas c'est moi le tableau que j'ai, l'écart par rapport à la cible du contrat, c'est 3 millions. Donc ça veut dire que, signé ou pas signé, c'est 700 000 euros, mais en tout état de cause, la prévision actuelle, c'est 2,3 millions d'euros de baisse de dotation d'État. C'est ça que nous allons signer, accepter que l'État baisse les dotations de la ville de Cergy de 2,3 millions d'euros à l'horizon 2020. Les chiffres que je viens de donner sont quand même, en tout cas pour l'année 2018, cohérents avec le chiffre d'1,6 million, parce que moi, quand j'ai le chiffre d'1,6 million, j'essaie de comprendre comment on arrive à 1,6 million. Et la réalité, monsieur le maire, c'est que
Je ne sais pas quelles sont les raisons politiques qui vous poussent à vouloir signer ce contrat, vous en expliquerez. Sur l'aspect financier de la ville, c'est une erreur. On passera le budget supplémentaire en question peut-être avec ou sans débat. Je vous informe d'ores et déjà que sur ce budget supplémentaire, je m'abstiendrai. Je m'abstiendrai pourquoi ? Je ne m'abstiendrai pas pour ce qui est dans ce budget supplémentaire. Je m'abstiendrai pour ce qui n'y est pas. Parce que je crois qu'aujourd'hui, défendre les intérêts de la ville, c'est se mettre en situation que l'État ne reprenne pas en 2019 des dotations. Voilà, l'intérêt de la ville, c'est de préserver les dotations de l'État. Et donc, préserver les dotations de l'État, ça veut dire effectivement c'est désagréable, mais on l'a déjà fait. Je l'ai fait dans cette collectivité. Je l'ai fait en son temps dans cette collectivité. Je le fais aujourd'hui à la communauté d'agglomération. Ce sont des choix politiques. Ce sont des choix politiques, soit de court terme, soit de long terme. Parce que, de vous à moi, si les économies, pour empêcher les baisses de dotation d'État, nous ne les faisons pas aujourd'hui, nous serons contraints de les faire demain. Nous serons contraints de les faire demain, parce que de toute façon, nous perdons des ressources de l'État. Et donc, il faudra à ce moment-là faire des économies. Donc moi, je préfère faire les économies avant, garder l'argent de l'État, et pour pouvoir, par la suite, ce qui veut dire probablement, effectivement, faire des choix politiques, probablement différer des dépenses. Dans votre note, vous dites, et là encore, je trouve qu'il y a des inexactitudes, je suis au regret de vous le dire, monsieur le maire, c'est désolant de devoir le dire. Vous dites, les dépenses vont augmenter parce que des équipements publics vont ouvrir. D'abord, je ne vois pas en 2018 ce qui explique l'augmentation de 1,8 million d'euros de la dépense par rapport à 2017, d'autant que je rappelle à tout le monde que de 2014 à 2017, l'évolution totale de 2014 à 2017 des dépenses est, sur le périmètre de la contractualisation, c'est 1 million d'euros. Ce que vous nous proposez pour expliquer que, évidemment, c'est un enjeu financier et donc il faut signer plutôt que pas signer pour les fameux 25%. C'est en réalité une augmentation d'1,7 million en 2018, de 6 millions à l'horizon 2020. Or, nous n'ouvrirons pas dans cette ville d'équipement public avant septembre 2020. C'est la date d'ouverture du groupe scolaire du Oisé, celle du groupe d'Elinance en janvier 21. Ce sera le cas exact en 2022 de la maternelle des Marges-Aubert, la crèche des Hauts-de-Cergy, ce sera en 2021. Donc je ne le vois pas. Et donc, si vous voulez, nous aurons, au-delà de ce débat, le Conseil va voter en conscience politique et en raison, en conscience politique et en raison. Mais aujourd'hui, je ne vois pas la raison financière de signer ce contrat. On regarde ces enjeux politiques qui ont été par ailleurs exposés par d'autres. Par contre, je pense que vous auriez dû, en même temps que ce débat, nous présenter un budget supplémentaire, ce qui nous aurait permis de prendre à témoin la population. Oui, des choses, nous ne les faisons pas, je ne les ferai pas à l'agglomération, et je dis pourquoi. Parce que l'État, aujourd'hui, m'interdit de dépenser alors que je pourrais le faire, mais si je dépensais, en réalité, j'affaiblirais la ville, parce que je perdrais des dotations. Je termine cette longue intervention sur un dernier point. Non, moi je ne crois pas, à raison des enjeux politiques, 400 000 euros, monsieur le maire, c'est 0,4% de nos recettes réelles de fonctionnement. Qu'on ne me dise pas que ça fragilise la situation financière d'une ville dont vous dites par ailleurs qu'elle est en bonne situation financière. Qu'on ne me dise pas que ça fragilise son programme d'investissement dans le compte administratif. Vous indiquez que la ville est très faiblement endettée, ça veut dire qu'elle peut s'endetter davantage. Et qu'on ne me dise pas enfin que ça aurait pour conséquence de devoir retarder les projets de développement, notamment ceux que conduit la communauté d'agglomération. Les projets de développement qui aujourd'hui amèneront dans les années qui viennent des dépenses dans la ville, c'est des projets qui sont en cours. Les projets futurs interviendront après 2020. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, mes chers collègues, considère que il n'y a aucune raison politique, bien au contraire, d'accepter cette contractualisation. Il n'y a aucune raison, sur le plan de la gestion, de le faire davantage. Nous avons un État qui se comporte comme il se comporte. Je pense que nous sommes capables de résister. Vous avez vu un jour en Palestine, vous y avez été comme moi, que résister, c'est déjà exister. Moi, je pense que sur ces sujets-là, au regard des enjeux fondamentaux, il faut tenir ferme et tenir bon, il faut avoir la tête haute. En tout cas, moi, je ne vendrai pas mon âme pour 0,4% des recettes réelles de fonctionnement de la ville. Marc Denis.
vais faire relativement court parce qu'un certain nombre de choses ont déjà été dites. D'abord sur la forme, ça a été précisé par un certain nombre d'entre vous. On a là une démarche de l'État où on met les mêmes critères, quelles que soient les collectivités territoriales, alors que il y a des différences de situation, des différences de compétences, etc., et qu'on traite d'une façon uniforme une diversité de collectivités territoriales. On voit bien là la patte de la technocratie de Bercy qui est passée par là. Vous pourrez donner d'autres exemples aussi sur la forme. Sur le fond, on nous parle de contractualisation, et puis on fait un non-choix, parce que finalement, tu signes, on te tape dessus, tu signes pas, on te tape un peu plus dessus. Ça a été dit aussi par un certain nombre d'entre vous, derrière cette contractualisation, c'est la mise sous tutelle des collectivités territoriales. C'est aussi la négation de la libre administration du citoyen de son territoire. Imaginons qu'on ait demain une élection et qu'une liste propose de dire on va faire X, 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 X chose et que ça nécessite effectivement des ressources complémentaires et que la population soit d'accord pour voter et assumer ses besoins de ressources complémentaires, elle n'en a plus le droit. Donc c'est une négation de l'expression démocratique. C'est aussi derrière cela la considération que l'on voit de ce gouvernement vis-à-vis des collectivités territoriales et de leurs élus. On pourrait dire que ce serait 30 quand je dis ça, que les collectivités territoriales sont mal considérées. Or, ça a été rappelé par un certain nombre de vous, et en premier lieu d'ailleurs par M. Payette, les collectivités territoriales ont l'habitude, parce qu'elles ont l'obligation, de voter leur budget en équilibre. Ce ne sont pas les plus mauvaises gestionnaires. Donc derrière cette contractualisation qui est proposée, c'est l'acte 1 pour à mes yeux et à nos yeux de beaucoup, de la mort de l'autonomie des collectivités territoriales. Si on rajoute à cela l'acte 2, qui est la suppression de la taxe d'habitation, dont on peut d'ailleurs dire qu'elle est injuste, etc., mais enfin qui était une ressource autonome des collectivités, on voit bien que quelque part, c'est une véritable marche arrière sur la gouvernance décentralisée de notre pays. Donc, ce faisant, moi je ne prendrai pas part au vote contre cette mesure qu'on considère inique et je vais être un peu méchant pour une fois, j'ai rarement l'occasion et je n'aime pas trop faire ce genre de choses, mais contre cette mesure du gouvernement du roi président chanoine jupitérien Emmanuel Macron, je ne prendrai pas part au vote à ce simagrée de consultation et à cette démarche qui est inacceptable. On a la contractualisation et j'en profite pour rajouter aussi d'autres éléments qui vont nous arriver dessus. Je pense par exemple, et c'est un peu l'objet de la motion d'ailleurs, qu'on vous propose pour la fin de ce conseil municipal sur la territorialisation de la contribution climat-énergie, qui est un dispositif qui a été mis en place, voté par le gouvernement précédent, qui est une véritable ressource, c'est quelques milliards, c'est 8 milliards aujourd'hui de rentrée pour l'État. En rythme de croisière, ce sera environ une quinzaine de milliards que l'État conserve bien précieusement dans sa poche, alors qu'elle transfère des obligations aux collectivités territoriales et, par exemple, des obligations en matière d'énergie, climat, rénovation, etc. Il nous paraît donc important, et au moment, donc, on transfère des compétences, qui a été là aussi dit par d'autres, mais en même temps, on ne vous donne pas les moyens de faire. Donc, d'où la proposition qu'on vous a faite d'adopter cette contribution climat-énergie, territorialisation de la contribution climat-énergie, ce qui donnerait du sens. Mais on en a d'autres aussi de la part de l'État qui vont nous arriver dessus. Dans le cadre de la feuille de route sur l'économie circulaire, ils ont bien envie d'augmenter la TGAP sur la mise en décharge et sur l'incinération, qui restera là encore une fois
dans les caisses de l'État, mais dont le poids, le coût sera porté par les populations et donc à répercuter par les collectivités, qui sera répercuté par les populations. Donc on voit bien qu'on a un État qui est en train de se gaver sur le dos de la bête un petit peu partout. Voilà. Voilà ce que je voulais dire très très rapidement. Donc cette démarche-là, niette, et je refuse de voter sur ces semblants avec Nadia Atroubi. Nous refusons de prendre part au vote sur ce simégret de consultation. Voilà, il y a des mauvais jours pour le gouvernement, entre les gratins qui se séparent des pâtes aujourd'hui et le nouveau monde des solidarités qui est remplacé par l'ancien monde des solidarités qui est remplacé par le nouveau monde des abandons. Eh bien, on voit ce que c'est en train de devenir comme politique en ce moment. Alexandra Wiseski. Oui, merci, monsieur le maire. Effectivement, un certain nombre de choses ont déjà été dites, mais je tenais à prendre la parole et à les redire aussi en tant qu'élu socialiste, parce qu'effectivement, dans cette méthode, il y a des choses qui nous heurtent. Il y a des grands combats que nous avons portés, celui de la décentralisation, bien évidemment. Et ce n'est pas se payer de mots, la décentralisation, c'est apporter la décision au plus près des concitoyens. C'est des concitoyens qui donnent leur confiance à des élus locaux. Et on voit bien dans cette démarche une forme de défiance aux élus locaux auxquels les concitoyens ont pu apporter leur confiance. Il y a ce taux unique et cette façon d'aborder de façon frontale, quelle que soit la strate des collectivités, la question des trajectoires, qu'on soit un département, une région, une agglomération et une ville encore, qui a certainement, pour les villes, les structures de les plus différentes par rapport aux autres strates de collectivités. On perçoit bien cette volonté d'avancer frontalement et d'avancer aussi dans une relation entre l'État et les collectivités qui soit bilatérale, qui soit l'État avec chacune des collectivités. On pourrait même y voir une tentative de déstabiliser au sein des majorités politiques les équipes en place, une stratégie d'un gouvernement. En l'occurrence, je ne partage en rien et en tant qu'élu socialiste ce mode d'interaction entre l'État et les collectivités. Pour autant, il ne me semble pas que l'objet de la délibération qui est proposée ce soir soit une motion anti-gouvernement, anti-Macron. Il ne me semble pas que ce soit cela que nous votions ce soir. Ce qui est proposé, c'est une délibération et moi je souhaite la regarder à l'aune des trois prochaines années et à l'aune, effectivement, de mes responsabilités. Si on laisse de côté le débat d'ordre général, le débat plus large que l'on vient de partager, on a évoqué des montants de pertes entre 500 000 euros par an, 700 000 euros par an, 400 000 euros par an. Quel est le choix qui s'offre à nous ? Signer ou ne pas signer ? Ne pas signer et voilà, prendre le risque de perdre ces montants par année, rompre la discussion, prendre le risque de sanctions, on en a parlé, bloquer les discussions à venir sur l'investissement. Est-ce qu'il faut, en responsabilité, plus de sacrifices dans nos politiques publiques en refusant de signer ? Je m'interroge et je ne suis pas certaine et je suis de comprendre cette position. Voilà, les discussions ont été âpres et ont duré longtemps sur l'objet de cette première contractualisation. Ce contrat, il nous engage à quoi ? Il nous engage aussi à continuer à discuter, à se retrouver deux fois par an, à continuer à être présent et à mener une discussion en résistant dans la défense de l'intérêt des Sergissois. Mais de mon côté, je ne vois pas en quoi l'intérêt de la ville de Cergy et de son budget et de notre capacité à mener nos politiques publiques se trouve préservé
en amputant de 500 000 euros ou plus par an le budget de la ville. Merci. Erwan Adia. Je vous remercie, monsieur le maire. Alors, Keltoun Rojdi, adjointe au maire, étant absente, m'a donné son pouvoir et m'a chargé de lire à l'endroit du conseil municipal ses observations qui sont les suivantes. Bonsoir à tous. Absente à ce conseil municipal, je tiens néanmoins à vous faire part de mon point de vue sur l'exposé des motifs relatifs à la contractualisation. L'État impose aux collectivités une tutelle de la gestion de leurs finances sans contrepartie réelle au regard de leurs contraintes budgétaires et spécifiques. Ainsi, la commune de Cergy va devoir faire des choix dans ses dépenses de fonctionnement pour bénéficier d'un droit de tirage. À Cergy, nous avons fait le choix de continuer de construire. Ces logements nécessitent mécaniquement, par exemple, des ouvertures de classes supplémentaires, la construction des futurs groupes scolaires comme l'Atlantis, la Plaine des Linandes ou les Marjobert. L'État ne tient pas suffisamment compte des spécificités des villes comme Cergy, qui sont en croissance démographique constante. Mais malheureusement, les collectivités n'ont pas le choix, ou plutôt ce choix est délibérément dirigé par l'État, qui menace de supprimer les dotations à celles qui refusent de signer. Cette manière de faire du gouvernement est antidémocratique et contraire aux lois de décentralisation qui ont accordé aux collectivités la souveraineté de la gestion de leurs finances publiques. En ma qualité d'élu, je me suis engagé à servir les Cergissois au-delà des clivages politiques. Or, avec la contractualisation, le risque est double. Soit nous ne pourrons pas tenir les promesses que nous avons faites aux Cergissois si la ville n'adhère pas à cette contractualisation imposée, si on accepte de jouer le jeu, et comme il a été obtenu par le maire, on négocie avec l'État les financements nécessaires pour honorer les engagements du mandat. Face à cette alternative, et en ma qualité d'élu représentante de la société civile, et avec la garantie de l'État signifiée au maire de Cergy, je fais le choix de voter pour, dans l'intérêt des Cergissois. Telles sont donc les observations, sans travestir une virgule, de Madame Keltoum Rojdi. En ce qui concerne donc mon point de vue personnel sur donc cette contractualisation qui instaure un encadrement des dépenses de fonctionnement, donc l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement avec cette épée de Damoclès qui pèse sur notre tête, cette menace de reprise financière qui va être donc exécutée si l'exécution budgétaire n'a pas atteint ses objectifs, est effectivement inédit. C'est un chamboulement du fonctionnement de nos institutions. Inédit à tel point qu'en décembre 2017, c'est la première fois que les parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel justement sur ce cadre légal, sur cette disposition de la loi de programmation des lois de finances, en faisant état que ça porterait atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Bon, le Conseil constitutionnel, donc, en janvier 2018, a validé, donc, a trouvé donc, cette disposition conforme à la Constitution. C'est discutable, moi je dis dont acte. Dont acte parce que nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire au niveau local? Qu'est-ce que nous, élus locaux de Cergy, on peut faire pour limiter les dégâts, pour limiter la casse? Et j'insiste sur le mot limiter, parce que moi je n'arrive pas à voir politiquement, juridiquement, comment on peut enrayer ce dispositif législatif qui est maintenant ancré définitivement dans le cadre législatif, dans notre paysage législatif. Donc, on se doit d'être responsable envers les citoyens de Cergy. Effectivement, donc, cette disposition, elle est discutable, elle est contestable, je l'entends, mais il faut qu'on puisse, nous, garder le cap. Malika Yabdri l'a dit à juste titre au préambule de ses propos. On doit garder le cap sur l'exécution de nos politiques publiques. Et concernant le projet de contrat qui nous a été joint, je rejoins tout le monde effectivement tardivement, mais j'ai quand même fait l'effort de le lire, et sur l'article 5, où il y a une disposition qui stipule clairement, et c'est un contrat c'est entre deux personnes, si un contrat n'est pas respecté, l'une des deux parties peut y mettre fin. Mais moi je vois dans l'article 5 que les services de l'État et les services de la ville peuvent se réunir deux fois par an pour discuter des objectifs de ce contrat. Donc à partir de là, pour moi, c'est un signe qui permet de dire qu'on a encore un pied sur un terrain, mais un terrain qui nous est certes défavorable, mais qu'on a un pied sur le terrain. Je vous remercie.
Françoise Courtin. Oui, bonsoir. Bon, je crois que je vais faire court parce que je n'ai pas le talent oratoire de tous les gens qui m'ont précédé, donc je risquerai d'ennuyer. Je n'ai pas non plus toutes les connaissances techniques qui nous ont été données, donc je risquerai de dire des bêtises. Donc c'est pour ça que ça va être extrêmement court. C'est vrai que la tentation est grande au premier abord, comme ça, de dire « ouais, je vais voter non ». Parce que refuser effectivement l'engrenage dans lequel on veut nous mettre. Et puis, en réfléchissant, moi je pense que j'ai décidé de ne pas prendre part au vote, parce que de toute façon les dés sont pipés. On est dans un contrat piégé. Et donc, les décisions sont prises, seront prises sans nous. On sait très bien le projet du gouvernement. Tout le monde l'a dit ici. Hein, il veut mettre à pied, à sa botte, les collectivités locales, qu'il connaît très mal d'ailleurs, par ailleurs. Voilà. Et donc, moi, c'est la raison pour laquelle, de toute façon, trouvant que les dés sont complètement pipés, je ne participerai pas au vote. Joël Motil. Ah, merci. Ce que nous sommes en train de vivre est probablement ce que vivent un certain nombre de collectivités, de majorités politiques un peu partout en France. D'ailleurs, le phénomène remarquable de ce moment, c'est que ce gouvernement finit par réussir à fracturer ce qui ressemblait à des majorités stables ou à des accords politiques solides, parce qu'il entretient une méthode de travail qui est à la fois une méthode, je dirais, très autoritaire, et en même temps, sémantiquement parlant, extrêmement culpabilisatrice. Donc il met les élus de cette ville et de toutes les collectivités en face exactement de ce que nous sommes en train de nous dire les uns les autres. C'est-à-dire que le débat, si on considère qu'on est des élus tous, opposition, majorité comprise, investis d'une mission, on peut considérer que chacun a, dans son interprétation de sa mission d'élu, une volonté partagée, qui est celle d'assurer le meilleur service aux Sergissois et de garantir à tous l'intérêt général. Donc, premier principe, moi je ne fais pas de procès à ceux qui vont voter pour, à ceux qui vont voter contre, à ceux qui ne prendront pas part au vote et à ceux qui vont s'abstenir. Parce que j'entends, effectivement, que compte tenu de la complexité du sujet et compte tenu de la façon dont le sujet est parfois posé, on peut effectivement être perturbé par la dimension culpabilisatrice du problème. Or, en toute chose, moi personnellement, mais c'est comme ça que je fonctionne, j'ai d'abord une approche politique du sujet et j'en tire des conséquences matérielles, comptables et financières. J'ai jamais fait l'inverse. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes élus, enfin ici ou ailleurs dans toutes les collectivités, le principe c'est en responsabilité une majorité, éventuellement critiquée par l'opposition, gère en toute responsabilité son budget, ses dépenses, ses recettes et ses programmations d'investissement, etc., etc. Ce que nous faisons. Donc effectivement, je partage l'avis d'un certain nombre d'élus ici, réduire les élus de cette assemblée, réduire, parce que c'est ça, réduire les élus de cette assemblée à la situation qui consiste à dire ce n'est plus avec cette majorité que les arbitrages se font, c'est pas au sein de cette majorité qu'on discute. Nous, c'est pas dans notre majorité qu'on a la liberté de faire des choix d'orientation. Et budgétaire et politique, etc. Maintenant, ça se déplace chez le préfet.
d'ailleurs à telle enseigne que, pas une critique que je fais au maire ou à ses services qui ont travaillé avec les services de l'État, du tout, mais à un moment donné, on a déplacé l'enjeu du débat budgétaire, l'arbitrage éventuellement que nous devrions faire sur les mois à venir et les années à venir, non pas dans une assemblée d'élus responsables, élus par la population et que la population a chargé au travers de ce vote de mener un programme avec capacité de responsabilité ou pas de le faire, c'est maintenant chez le préfet. Et d'ailleurs, c'est chez le préfet que les maires, je dis bien les maires ou les représentants des collectivités, sont obligés de discuter, pas avec nous, avec les, et on revient nous voir après nous disant, voilà, le préfet a dit. Bien. Donc c'est vrai que quand on regarde l'état de la société française aujourd'hui, parce que si on peut aujourd'hui aussi travailler au-delà du débat qui nous agite, les phénomènes de résistance sont multiples. On a des sujets sur tous les secteurs de la société aujourd'hui. Partout en France, la méthode du gouvernement Macron pose des questions qui suscitent dans une grande partie de la population des mécanismes de défense obligatoires. Et nous, notre problème à nous, c'est quoi ? C'est, moi, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur la façon de traiter la question de la dépense. Je pense qu'elle a été correctement posée. Honnêtement, je n'ai rien à retrancher à ce qu'a dit M. Payet sur la façon d'apprécier la question des dépenses. Je partage l'idée qu'il nous faut de toute façon nous interroger sur la question des dépenses. Dominique, je partage cette idée aussi. Pourquoi ? Parce que de toute façon, que nous fassions ou pas cette signature, nous aurons ce travail devant nous pour éviter d'avoir à prendre la punition que l'État nous impose. De toute façon, il faudra le faire. De toute façon, il faudra le faire. Et donc, par conséquent, je m'interroge, je n'ai toujours pas trouvé d'explication comptable, financière, rationnelle à la signature de ces contrats. Parce que aujourd'hui, ça a été dit à de nombreuses reprises, la question financière est réduite à l'épaisseur du trait, à l'horizon 2020. Et donc notre problème à nous aussi maintenant, en tant qu'élus, c'est est-ce que nous acceptons d'être des élus mis sous tutelle de l'État, à qui on viendra dire, voilà, l'État nous a dit que, donc ce sera comme ça, ou est-ce que nous, par notre vote, nous disons, nous refusons d'être traités comme cela, nous refusons parce que nous sommes des élus responsables. Et alors c'est d'autant plus, comment dirais-je, croustillant que ce matin, à France Inter, il y avait le patron de la Cour des comptes, Didier Migaud, qui disait ce matin, alors le langage châtié qui convient aux gens qui travaillent à la Cour des comptes, mais qui disait, il est effectivement vrai que l'État aujourd'hui continue à creuser un certain nombre de pistes de déficit supplémentaires. Il citait des exemples, le service civique qui va coûter un bras, etc. Il laissait entendre aussi que les ristournes fiscales remises aux uns et aux autres. Et on est dans cette situation paradoxale où d'un côté, on a un gouvernement qui est critiqué par la Cour des comptes sur sa façon de gérer le raccourcissement des déficits publics, et lequel vient nous voir en nous disant, vous, les 322 collectivités qui peut-être géraient bien, on va vous faire les poches parce qu'on va renflouer les caisses de l'État. Donc on est juste à la croisée des chemins à un moment donné. Soit on dit ce qu'on dit nous, c'est-à-dire il y a un principe politique de refus au nom de la défense du statut des élus, de leur représentativité, des missions qui sont les leurs investies par des électeurs et des électrices, et en même temps qui fonctionnent sur des bases, je dirais, légales, du principe de la libre administration, etc. Soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Moi, je ne l'accepte pas. Et je préfère travailler, et je l'ai dit, donc ça m'est une surprise ici, je préfère travailler avec mes collègues de la majorité à vérifier comment on entre dans les épures financières telles qu'elles sont contraintes par la loi, parce que comme on est républicain, on ne peut pas le rejeter, plutôt que d'avoir à vendre, effectivement, comme certains disent, mon âme au diable, pour quelques centaines de milliers d'euros, parce qu'en réalité, derrière, je considère que c'est une caution politique donnée au gouvernement sur des mécanismes et des principes de gouvernance qui sont absolument pas républicaine. Donc derrière, c'est pas simplement un enjeu de finance, mes chers collègues, c'est un enjeu de société. C'est-à-dire, si l'État commence à faire ça avec les collectivités, en plus en tapant dans les 322 collectivités, dont tout le monde dit autour de cette table que les critères sont stupides, iniques,
absolument abruti en termes de logique générale. On dit quitus à l'État, je te signe ton machin. En gros, j'accepte que tu me dises, tu choisis, je te coupe la jambe au niveau de la cheville ou au niveau du genou. Voilà ce qu'on nous propose. Donc moi je dis, nous avons suffisamment d'expérience en matière de technique financière et de comptabilité et de capacité de prospective à l'horizon 2020 pour dire que oui, à un moment donné, c'est plus juste une question d'argent. C'est aussi une question d'affichage, de principe politique qu'une assemblée comme ça devrait voter à l'unanimité, exactement comme nous l'avons fait sur la loi immigration. Nous avons été capables de trouver une unanimité, et je pense que sur cette question-là, si nous l'avions trouvé cette unanimité, nous aurions été tous extrêmement renforcés, à la fois dans notre lien avec la population, mais notre capacité collective à mener des politiques de service public que nous aurions défendues les uns les autres, bec et ongle. Donc voilà pourquoi, mais ce que je dis n'est pas une surprise, parce que moi, cette affaire de contrat, ça fait un certain temps que je considère que ce n'est pas une bonne affaire, et je me place désormais très clairement sur le plan des principes politiques, parce que céder là-dessus, c'est céder plus après. Céder là-dessus, c'est céder plus après. Et je vous promets, c'est Marc qui le dit, il avait raison, c'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas un front uni des collectivités sur cette question-là, après, c'est autre chose, et ce sera autre chose. Et je pense qu'effectivement, nous avons aujourd'hui une obligation de résistance, et c'est pourquoi, moi, à titre personnel, je voterai contre. Régis Litzel. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bon, je ne crois pas qu'il y ait de front uni des collectivités à ce sujet. La majorité ont déjà voté pour, et d'autres s'apprêtent à le faire. Bien, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Beaucoup a été dit ce soir. Beaucoup a été dit à ce sujet. Je ne vais pas en rajouter. Moi, j'aurais tendance à croire ce que nous dit la première adjointe. On a connu beaucoup de baisses de dotations depuis le début du mandat. Et on en souffre, nos politiques en souffrent. Et je n'ai pas vu nulle part que la péréquation ait compensé ces pertes. Ne pas signer, ça va être rompre le dialogue. S'il n'y a pas d'intérêt à signer, j'en vois encore moins à ne pas signer. Monsieur Payette, vous avez dit qu'être élu local, c'est avoir un devoir de responsabilité, et je vous suis tout à fait à ce sujet. Mais c'est également aussi avoir un devoir de gestion, de bonne gestion. Et je pense que si vous étiez dans la majorité, vous envisageriez les choses autrement. Oui, nous avons des politiques publiques ambitieuses pour les Sergissois. Et nous avons de plus en plus de mal à les tenir. Alors ne nous tirons pas une balle dans le pied pour voir si ça fait mal. Nous voterons bien évidemment cette autorisation à signer ce contrat avec le préfet. Merci. Éric Nicolet. Oui, bonsoir mes chers collègues. Donc énormément de points dans ce débat qui ont déjà été largement abordés. Le premier, c'est la méthode gouvernementale. Cette méthode pose plus que des problèmes. Elle est strictement scandaleuse. C'est une méthode brutale. Puisque ça a été dit par de multiples interlocuteurs, la marge de manœuvre est d'ores et déjà imposée. Le principe même de rajouter 13 milliards aux 13 milliards du mandat précédent à la charge des collectivités a été acté par ce gouvernement. Et à partir de là, il s'agit de dérouler un dispositif qui contraigne fortement les dotations de fonctionnement aux collectivités. C'est une méthode qui va donc rajouter de la difficulté aux difficultés que nous avions eues sur l'effort qui avait été effectué lors du précédent mandat national. C'est une méthode perverse. Ça a été souligné par Joël Motil, par exemple, ça a été évoqué également par Alexandra Wisniewski. Cette façon de dire aux collectivités, débattez et tripez-vous gentiment entre vous. Pour la question de savoir si oui ou non il faut signer un contrat que beaucoup d'entre vous vont brandir comme un symbole, alors que quand on regarde, et j'y reviendrai, les clauses exactes, la méthode est perverse, mais le contrat est loin d'être aussi effrayant quand on le regarde dans le détail.
Donc, une méthode brutale, un objectif qui en rajoute par rapport à ce qui avait été fait sur le précédent mandat, alors qu'on avait atteint un juste niveau d'effort pour les collectivités, une méthode perverse, une méthode dogmatique. C'est-à-dire que la façon dont ont été faites les choses, ça a été, il a dû être dit à quelques experts de Bercy, bon, il y a 13 milliards, sortez-nous un dispositif, les courriers doivent partir en mars. Ils ont fait leur règle taux 3 et ça s'est terminé par 1,2 pour tout le monde. Évidemment, ça a déjà été dit, c'est un dispositif qui, de ce point de vue-là, est totalement dogmatique, je le dis, et un dispositif qui, du coup, n'est pas adapté, puisque 1,2 pour des collectivités, comme par exemple les collectivités telles que la commune de Cergy, qui, dans l'accueil des populations nouvelles, sont celles qui se tapent le fonctionnement, passez-moi l'expression. Et on est content de le faire parce qu'on est content de développer cette ville. Mais dans la répartition des rôles, pour faire court et simple, l'agglomération de Cergy-Pontoise se tape les investissements, pendant que la commune de Cergy se tape le fonctionnement lié à l'accueil des populations nouvelles. Or, sur quoi porte le fameux contrat ? Porte justement sur la question du fonctionnement et d'un rognage de la dotation globale de fonctionnement. Donc c'est assez naturel que les collectivités qui sont moins impactées, en particulier dans une collectivité comme la nôtre qui est en croissance, par l'effet de la croissance sur le fonctionnement, soit des collectivités qui se retrouvent plus enclines, faute d'impact direct chez elles, à pouvoir refuser la contractualisation, parce que la dite contractualisation pose tous les problèmes que je viens de poser en termes de méthode. Mais interrogeons-nous maintenant sur le dispositif de la décision. Il n'est pas demandé ce soir, le dispositif de la décision n'est pas de dire « nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale », n'est pas de dire « nous approuvons la politique qui est conduite en matière de contractualisation ». Nous ne sommes pas davantage à la CACP. Nous sommes dans une commune où, et je remercie Dominique Lefebvre pour ce qu'il a apporté d'éclairage au débat, en ajoutant un complément par rapport à la note, qui est que effectivement, c'est bien de 400 à 500 000 euros annuels en moins, en plus d'un million qu'on va se prendre en tout état de cause dans la figure, qu'il est question sur cette affaire. Et ce faisant, il ne s'agit absolument pas de cautionner le dispositif d'ensemble de cette contractualisation, je pense l'avoir suffisamment souligné dans mon propos. Il s'agit simplement de penser d'abord, excusez-moi, de penser d'abord à la façon, en particulier en tant que membre de cette majorité, à la façon dont nous préservons les moyens de conduire les politiques que nous devons conduire auprès des Cergissois. Excusez-moi de penser à ça d'abord, et penser à ça d'abord n'est absolument rien un blanc-seing à destination de la politique d'ensemble qui a consisté de façon particulièrement perverse, je le redis, à aller demander aux collectivités de se prononcer sur ce sujet. Je mets en garde, surtout à la lumière de ce qui a été dit par Dominique Lefebvre, M. Payette, sur la minimisation de ce que serait l'impact. Effectivement, ce n'était pas clairement posé dans la note, mais maintenant c'est très très clair à la lumière du débat. C'est bien une affaire, je le redis, de 400 à 500 000 en moins, en plus d'une douille, passez-moi l'expression, à 1 million qu'on aura quoi qu'il arrive, qui est sur la table. Et effectivement, le dispositif de la décision, c'est quoi ? Parce que moi, pendant longtemps, dans ce débat et dans les échanges préparatoires, c'était, bon, ok, si on signe, on a une pénalité qui sera moindre, donc c'est l'affaire des 400 à 500 000, mais si on signe, c'est quoi la contrepartie ? C'est pas seulement le symbole. Il n'y a pas écrit dans le contrat, et c'est pas écrit. Hein. Ce contrat vaut acceptation de la politique générale. Il n'y a pas écrit ça dans le contrat. Là, pas me la faire. Ce qui est écrit dans le contrat, c'est ce contrat, ça veut dire que nous allons discuter de trois choses. Ça n'a pas été dit dans le débat et je souhaite le rappeler. Il y a un premier point qui est porté dans le contrat, qui est celui qui est susceptible de porter pénalité. C'est l'affaire de l'accroissement des dépenses, on en a beaucoup parlé, etc. Il y a une autre contrepartie dans le contrat, un engagement de la part de la collectivité, c'est de dire, ben ouais, deux fois par an, on va aller causer avec l'État sur ces sujets. Waouh ! La tutelle ! Je tremble. L'idée d'aller avec la qualité de nos services, la qualité de la gestion qui a été la nôtre pendant des années, une vingtaine d'années, l'idée d'être en situation de devoir aller devant les services de l'État pour expliquer ce qui a été dénoncé dans d'autres assemblées, c'est-à-dire que les vertueux que nous sommes sont tout à fait injustement pénalisés, et d'aller faire valoir au fil du temps auprès d'un État et de la sphère dirigeante du moment que leur truc est totalement inepte, à savoir que cette majoration, cette aumône de 0,15 point de 15 points de base ou 0,15% pour une population qui croît de 2% par an, c'est juste n'importe quoi et qu'il faut qu'ils révisent leurs principes, c'est ce qui va être porté dans le combat politique
que nous allons mener dans cette dialectique avec l'État, dans laquelle nous nous engageons, et je peux vous garantir que nous ne faiblirons, je pense, en rien par rapport à faire valoir ces réalités devant un État dont on a bien compris qu'il était quand même un tout petit peu gêné aux entournures, avec effectivement un préfet, ça a été rappelé par Dominique Lefebvre, qui a reçu des instructions brutales, dogmatiques, perverses, mais les gars, ils s'aperçoivent bien qu'il y a quand même un vrai problème à avoir fait une règle de 3 quelque part à Bercy pour dire 1,2 pour tout le monde, avec des modulations totalement pas à la hauteur pour une ville qui se développe telle que Cergy. Alors une fois qu'on dit ça, il y a deux solutions. On n'est pas d'accord avec le principe général. Je pense qu'il y a accord sur les conséquences, à quelques nuances près. Il y a des vraies conséquences. Après, la question, c'est quand on fait ça, on se bat comment? Donc il y a la stratégie de l'affrontement, la stratégie du bras d'honneur. C'est celle qui consiste à dire, effectivement, on vote non, on s'oppose. La stratégie du rapport de force. Oui, le rapport de force national, allons-y. Regardons le rapport de force national. Il est très intéressant, le rapport de force national. Toutes les associations, Association des maires de France, FNESER, j'ai eu un échange avec les représentants du Parti Socialiste sur ces questions, la Fédération Nationale des Élus Socialistes et Républicains, tout le monde a dénoncé la politique, comme je viens de le faire. Je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'à dire « il ne faut surtout pas signer », je ne sais pas. Mais en tout cas, en tout état de cause, qu'est-ce qui se passe dans les collectivités? Ça tombe les uns après les autres. François Rebsamen, Dijon, président de la FNESER, des socialistes, a signé le machin. La commune d'Aubervilliers a signé le machin. Martine Aubry vient de signer le machin. Vous avez tout un tas de collectivités. Je vous cite celles qui correspondent le plus au procès en bon socialisme ou en vente d'âme qui pourrait m'être fait ce soir. Je les cite donc à dessein pour cela. Il y en a d'autres. Il y a pléthore de collectivités, indépendamment des couleurs politiques, qui ont signé cette affaire. C'est quoi qui fait que les gens signent ou pas? Le premier critère, c'est est-ce qu'on est impacté ou pas? Les collectivités qui ont un impact tel que nous, je suis à peu près certain que toutes celles que je viens de citer de gauche ont fait leurs petits calculs, et lorsqu'il y a impact, eh bien elles font partie de ceux qui disent on est d'abord là pour préserver l'intérêt de notre collectivité. Et ça ne nous empêchera pas de dénoncer, ça ne nous empêchera pas de nous battre avec les préfets lorsqu'on ira les voir dans des discussions, d'autant plus... oui, voilà, donc, très bien là-dessus. Donc le rapport de force, il n'est pas là. Et que des experts du rapport de force aille nous dire qu'à Cergy, on va aller instaurer un super rapport de force dans un truc où, de toute manière, il y a tout un tas de collectivités qui n'ont pas signé. Moi, je crois vraiment, j'ai cru comprendre à la faveur de certaines interventions, que ce n'était pas réellement, mais je ne m'étendrai pas plus, un rapport de force d'ordre national qu'il s'agissait d'instaurer. Après, nous avons la question de contractualiser. Moi, quand je contractualise, dans mon exercice professionnel, mais dans ma pratique politique ou autre, il m'arrive de contractualiser avec, dans ma pratique professionnelle, avec mes pires concurrents. Ça m'arrive. Il arrive de contractualiser avec les pires adversaires. C'est quelque part ce qui fonde le débat, d'ailleurs, un vrai débat qui est central à gauche, entre ce qu'il est convenu d'appeler les réformistes et ce qu'il est convenu d'appeler les radicaux ou les autres, dirons-nous. Et ce débat est vieux comme la gauche. Et donc, la posture qui consiste à signer, ok, il y a un contrat. Ce contrat-là, il est dans l'intérêt de mes Cergissois de le signer. Donc je le signe. Mais ça ne va pas m'empêcher de me battre dans un rapport de force qui sera permanent avec l'État. Et ce n'est absolument pas baisser son froc vis-à-vis du préfet. Absolument pas. C'est simplement être en situation de pouvoir préserver les intérêts des Cergissois. Et c'est d'être en situation de pouvoir peser, faire valoir progressivement nos arguments dans une logique de... qui y a, et c'est en ça que moi, je ne me suis pas scandalisé d'y adhérer, lorsque l'on a une opposition et que l'on est dans une logique réformiste, on n'a pas peur de signer, on n'a pas peur de se battre, surtout quand on sait qu'en signant, on préserve sur le court terme les intérêts de ses concitoyens. Donc, vous l'avez compris, pour toutes ces raisons-là, en particulier, j'en reprends quelques-unes, parce que nous faisons partie de ces collectivités qui perdent dans l'affaire, si jamais nous ne signons pas. En particulier parce qu'il est faux d'avoir dit qu'on pourrait ne pas perdre en ne signant pas le truc. C'est totalement faux. L'affaire de l'entrée en résistance, je le redis, quand on voit le rapport de force et la dynamique, c'est pas comme ça qu'on rentre le mieux en résistance. On sera beaucoup plus efficace au service des Cergissois
en signant cette affaire, en la dénonçant, comme je viens de le faire, sur le principe et sur la méthode générale, en signant ce contrat et en étant très très clair que le combat, il est derrière, en préservant des capacités d'agir pour cette majorité et en allant nous battre vis-à-vis du préfet pour faire valoir ce que l'on a à faire valoir. Et ces marges de manœuvre, il est bien évident qu'il est dans l'intérêt de ceux qui sont dans une posture d'opposition politique à la majorité actuelle, de faire en sorte de réaliser le rêve de Macron. Si nous n'adoptions pas ce truc, l'État, au lieu de payer, au lieu de gagner, pardon, 1,5 million, et bien là, il gagnera 1,5 million. Il gagnera la possibilité de dire, on ne va pas filer les subventions à Cergy pour l'investissement, on ira les filer ailleurs. Si c'est ça qu'on veut pour les Cergy, soit très bien, mais moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas ça, et c'est le sens du vote qui sera le mien ce soir. Je vous remercie. Nadia Gaghi. Bonsoir à tous. Je tiens à préciser que je prends la parole, bien évidemment, en mon nom et en celui de Sana Salitouli. Alors, moi, je prends la parole pour expliquer mon choix, qui interviendra à la fin de mon intervention, en tout cas notre choix. On ne peut pas se dire que ce débat se porte uniquement sur les Cergissois et sur la ville de Cergy. On l'a bien compris. Ça concerne plusieurs villes, départements et compagnie. Mais après discussion avec Sana, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on ne pouvait pas non plus l'exclure et l'isoler de tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue national. On a un gouvernement qui s'est attaqué à la question de l'accueil des réfugiés. On a un gouvernement qui s'est attaqué aux étudiants avec la réforme, notamment sur les APL. On a un président qui s'est totalement manqué de nous après s'être, après avoir bafoué le plan, entre guillemets, banlieue. Il a totalement insulté l'ensemble des banlieues et des acteurs qui agissent dans ces banlieues. Bien évidemment, ça a été dit aussi, il a supprimé les contrats aidés qui ont mis plus d'une association qui œuvre sur les territoires, notamment les nôtres, en difficulté. Et effectivement, ça a été dit, ce n'est absolument pas une surprise qu'aujourd'hui, ce gouvernement s'attaque aux villes, et notamment à Cergy. Pour parler de ce contrat dit de confiance, qui en fait, selon moi, selon Sana, n'est absolument pas un contrat, car ça a été dit, enfin, je suis un peu surpris, choqué. On sait qu'on va perdre, on sait qu'on va se faire taper dessus, mais c'est pas grave. Vaut mieux se faire taper dessus un petit peu que... un peu plus fort. Moi, ça me surprend. L'État est en train de créer un véritable rapport de force. Il est en train de créer, excusez-moi, un vrai rapport de force. J'irai même encore plus loin, j'ai pas peur des mots. C'est un hold-up à visage découvert qui est en train de se passer. Il nous prend en otage, nous, élus des collectivités. Il prend en otage notre population. À un moment donné, on se retrouve avec la corde au cou en disant, bah oui, on est obligé de voter parce que on a nos milliers d'habitants qui sont mis en péril et en difficulté. Nous estimons aussi que c'est totalement une mise sous tutelle de l'État. Et je n'arrive même pas à comprendre, nous n'arrivons même pas à comprendre comment cela peut être accepté. Encore une fois, le gouvernement, après toutes ces mesures que j'ai évoquées tout à l'heure, et puis aujourd'hui avec cette envie de contractualiser, nous démontre que sa vision technocratique est totalement en décalage avec notre quotidien, avec le quotidien des Cergissois. Et il est hors de question pour notre part de se laisser dicter une gestion par l'État. Nous avons été élus, on a eu la majorité des Cergissois qui ont voté pour nous sur un programme politique, un programme dont la majorité est fière. Et il est hors de question qu'on dénature ce programme-là et qu'à un moment donné, on le change ou on réduise nos ambitions sous prétexte que M. Macron et son gouvernement et l'État nous imposent des contraintes et des sanctions. Donc, je le dis clairement, nous refusons de nous faire dicter notre gestion, nous refusons de donner raison à ce gouvernement qui va droit à notre échec, nous refusons de nous soumettre une nouvelle fois à une volonté en total décalage de notre réalité. Ce n'est pas à l'État de décider de la gestion des recettes et des moyens financiers des communes. Une telle remise en cause de la décentralisation constituerait une grave régression
Et honnêtement, ce qui nous interpelle, c'est qu'en plus, on est tous d'accord autour de cette table, mais on l'accepte. J'ai entendu plein de choses qui me saoulent, qui m'énervent. Je ne l'ai pas relevé, mais avoir peur de rompre le dialogue avec l'État, la question de se dire qu'on va sûrement avoir des sanctions. Moi, personnellement, Sana, elle est à côté de moi, elle le confirmera, on n'a pas peur de ça. Il n'y a aucun problème. On brandira haut et fort les couleurs de Cergy. On n'a aucun problème à dire qu'à un moment donné, on est prêt à accepter certaines sanctions de l'État. Pour vulgariser un petit peu le débat, pour que tout le monde le comprenne, hein, en gros, c'est simple. L'État dit, c'est ma compréhension, bon, si vous contractualisez avec nous, vous inquiétez pas, vous aurez une sanction, mais elle sera minorée. Vous aurez 75% vous paierez 75% du dépassement de votre budget. Par contre, si vous ne contractualisez pas, non pardon, j'ai oublié un élément, et on sera regardant sur votre dossier de différents projets qu'on mettrait potentiellement en haut d'une pile. Par contre, si vous refusez de signer, non seulement vous paierez 100% du dépassement, mais en plus de ça, il est hors de question que vous ne parlez avec nous de vos projets. J'ai l'impression de faire un bond de je ne sais pas combien de siècles et de me retrouver au Moyen-Âge où le roi ou je ne sais pas qui décide librement sans que personne dise quoi que ce soit. J'ai apprécié le parallèle avec la Palestine, Dominique. Moi, j'y reviens. J'assume ce parallèle. Hein. Je reviens, j'ai vu des Palestiniens qui, lorsqu'ils ne faisaient rien, ne pouvaient pas boire à leur soif, pas manger à leur faim, n'avaient aucun droit, ne pouvaient rien faire. Par contre, lorsqu'ils se battaient, ils voulaient résister, on les tapait, on les enfermait et pire, on les tuait. Néanmoins, j'ai jamais vu un peuple avec une aussi grande détermination à ne rien lâcher. Donc, je me ramène ce débat à Cergy et effectivement, avec cette grande admiration que j'ai pour ce peuple-là, qui a vécu ces derniers temps des choses très très compliquées, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour le souligner, on a la possibilité de se dire, bon, on accepte ce contrat et puis on diminue les dégâts, ou bien on n'accepte pas et puis ça va être compliqué pour nous. C'est pas grave. Moi, c'est pas grave, je le dis. Ce choix-là que je vais prendre avec Sana, que nous allons prendre, c'est le nôtre, mais c'est aussi celui de certains Cergyçois. On le rappelle, on a quand même été élus par certains Cergyçois, et tu l'as dit tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, il aurait fallu aller solliciter les habitants directement au moment où on a eu cette information. Je sais très bien que chacun d'entre nous l'ont fait, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Et en tout cas, il est vrai que pour notre part, lorsqu'on a rencontré des jeunes, des moins jeunes, des seniors, des actifs, des chômeurs, pour vous dire, j'en ai même parlé à mon fils de 6 ans. Donc, à un moment donné, en parlant avec eux, il y a deux choses qui se sont révélées. La première, c'est que le débat, il est trop haut. Il faut totalement vulgariser le débat. Tout le monde ne comprenait pas. 1,2, 1,35, 1 500 000, 520... À un moment donné, c'est clair et c'est simple. Il faut vulgariser le débat. Donc nous, on a dit, on va essayer de vous expliquer selon notre sauce. Donc voilà, en fait, en gros, je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le redire, je m'en fous, j'ai dit à la majorité et puis je l'assume. L'État veut nous violer. En gros, c'est soit tu baisses ton pantalon, soit... Eh ben, on va venir t'arracher ton pantalon de force. Je vous le dis, on a voté il n'y a pas longtemps la question de la loi sur le sexisme, les agressions sexuelles et les sexistes. Honnêtement, c'est scandaleux. Moi, honnêtement, je vous le dis, je ne baisserai jamais mon pantalon. Sana ne baissera jamais son pantalon. Et l'ensemble des Cergyçois qui, eux, aujourd'hui, ont aussi, avec qui j'ai parlé, ne baisseront jamais leur pantalon. Je vais essayer de finir. Ce qui est important aussi, c'est qu'à un moment donné, lorsque moi, demain matin, je vais me réveiller, j'ai besoin de me regarder dans ma glace. J'ai besoin de me dire, Nadir, ce que tu as fait là ce soir, c'est fidèle à toi-même, c'est fidèle à Sana, c'est fidèle à l'ensemble des personnes que tu as été convaincre en 2014 pour justement voter pour toi. Demain matin, quand je vais me réveiller, j'ai besoin aussi de me dire que certains Cergyçois auront compris les enjeux qui sont en train de se faire. Je ne rentrerai pas dans les chiffres et tout, parce qu'effectivement, je n'ai pas cette technicité, donc je ne rentrerai pas là-dessus. Mais en tout cas, nos valeurs, nos principes, ce pourquoi on se bat avant même d'avoir été élu, on ne peut pas aujourd'hui à cette place, vous avez parlé de responsabilité, attention, n'insultons pas les élus qui sont autour de cette table. Ce n'est pas parce que vous allez voter pour que vous allez être responsable,
Et c'est pas parce que la personne à côté va voter contre qu'elle n'est pas responsable, d'accord? Moi, aujourd'hui, je suis totalement responsable. J'assume le choix que je vais vous donner tout à l'heure. Et attention à ne pas négliger les élus, parce que je ne veux pas non plus amener d'autres débats, mais respectons les élus, peu importe le choix qu'ils vont avoir. Enfin, il est important de dire aussi que ce n'est pas une opposition à M. le maire, parce que Malika Yedbril l'a redit, je pense que le maire le dira juste après, sur le fond, on est tous d'accord. Sur le fond, on est tous d'accord, on a un pays, un gouvernement, un État qui use de son pouvoir pour tuer, asphyxier les villes. Et honnêtement, à Cergy, on l'a montré, on est fort de pouvoir assumer totalement la possibilité de dire, c'est Eric, je crois que tu parlais de doigt d'honneur. Bah, c'est encore pire, un bras d'honneur. Faisons un bras d'honneur à l'État. Moi, je pense que je n'ai rien... Ah oui, si, j'oublie quelque chose. Eric, tout à l'heure, parlait de ça. Moi, je me rassure pas hein, quand je vois les villes à droite, à gauche voter pour... Moi, la vérité, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur ville. Moi, ça ne me dérange pas du tout. On peut en parler, hein, Aubervilliers vote pour... ouais, on peut en parler. Argenteuil, il va voter ou vote pour. Mais après, il y a aussi des réalités qui sont propres à leur territoire qu'on ne connaît pas. Il y a des enjeux aussi qu'on ne connaît pas. Il y a des enjeux politiques liés à des futures élections qu'on ne connaît pas. Donc, à un moment donné, il faut aussi... rassurons-nous nous-mêmes. Votons nous-mêmes en notre âme et conscience en disant on sait pourquoi on le vote et pas parce que j'ai beaucoup entendu ouais mais Nadir, attention, les Cergissois à droite, à gauche, mais attention on pourra pas faire ci. Ouais mais les Cergissois il faut qu'ils comprennent aussi à un moment donné que si on n'arrive pas à développer nos centres sociaux, que si on n'arrive pas à recréer des crèches, que si on n'arrive pas à développer l'accueil des nouveaux habitants, c'est pas de notre faute. Parce que dans le programme politique, lorsqu'on a été élu en 2014, c'était inscrit. Et jusqu'à aujourd'hui, ce soir, on s'y est tenu, on l'a toujours fait. Même si ça va mettre en péril la fin de notre mandat, on n'a pas à rougir de tout ce qui a été fait. C'est clair et net, je le redis. Moi, je ne suis pas opposé à Jean-Paul Jeandon, le maire de Cergy. Néanmoins, je vous le dis pour ma part, et ça n'engage que Sana et moi-même, on ne peut pas, je relis juste si j'ai rien oublié. Ouais, vous m'avez fait rire. Oui, pour la mise sous tutelle, on va quand même parler deux fois avec l'État. Wow, on va s'applaudir de parler deux fois avec l'État. Enfin, bientôt, on va remercier l'État de nous accorder 2 heures dans l'année pour parler de notre gestion. On rentre pas dans notre gestion. Moi, je le dis clairement aujourd'hui, j'espère qu'on nous entend et j'espère que ça va prendre une ampleur. L'État n'a pas à rentrer dans notre gestion. On va pas se laisser faire. Je vous assure que l'ensemble des associations de cette ville, l'ensemble des habitants de cette ville, les élus, j'espère aussi, de cette ville, vont s'allier dans ce combat et de dire qu'à un moment donné, il y a des limites que l'État n'a pas à franchir. Donc moi, je le dis haut et fort, Sana et moi, on va voter contre. On s'oppose avec la plus grande fermeté, et je le rappelle, à la proposition de contractualiser avec l'État. Et puis, je finirai, excusez-moi, mais... C'est un jeune, vous savez, mercredi, nous étions avec Jean-Paul, avec le conseil de jeunes. Et on a beaucoup parlé avec eux. Et j'ai parlé un peu avec eux sur l'action de la contractualisation. Et c'est vrai qu'on a échangé, c'est important aussi. Ce sont nos élus. Et vous savez ce qu'un jeune m'a dit ? Eh, mais vous savez quoi, Macron, qui garde la pêche. Eh ben moi, je vous dis la même chose, qui garde la pêche. Elina Corvin. Attendez là, oui. Bon, après avoir longuement pesé le demi pour et le demi contre, j'estime aujourd'hui qu'il est de mon devoir en tant qu'élu aux solidarités, très concerné par les conséquences éventuelles de mon vote, de ne pas céder à ce chantage d'État qui pénalise injustement des collectivités dynamiques comme la nôtre. J'estime par ailleurs que faire le choix de refuser la contractualisation permet paradoxalement de défendre les prérogatives budgétaires de l'équipe municipale et de respecter son maire. Josiane Carpentier. Alors je vais essayer de faire court. De 2008 à 2014, lorsque j'étais au logement, nous avons réussi avec le service à reloger 750 familles. À côté de ça, j'ai reçu 1000 personnes
pendant 6 ans, à qui j'ai passé mon temps à expliquer pourquoi ils n'auraient pas de logement. Simplement parce que, parce qu'on n'en avait pas, parce que le contingent de la mairie représentait à cette époque-là 7% des constructions au soleil à Cergy. Aujourd'hui, je suis vice-présidente du CCAS, de la Caisse communale d'aide sociale, et cet après-midi, nous étions en commission permanente. Nous avons étudié des dossiers de gens dans la détresse et nous avons distribué un certain nombre de bons alimentaires parce que les mamans n'arrivaient pas à faire les courses pour nourrir les enfants. Et nous avons distribué presque 2000 euros d'aide financière en un après-midi. Alors évidemment, 500 000 euros aux yeux de certains qui brassent des millions, qui peut-être ont perdu un peu la notion de ce qui se passe chez l'épicier, 500 000 euros, ça ne représente pas grand-chose. Eh bien, sachez quand même que 500 000 euros, ça représente le budget du CCAS. Et avec 500 000 euros, personnellement, moi, je sais bien ce que je ferais pour les Cergissois. Alors, lorsque je suis venue au conseil municipal, lorsque j'ai eu la responsabilité d'être élue avec le restant de l'équipe à ce conseil municipal, je me suis promis de rester au service de Cergy et des Cergissois. Et voilà pourquoi, consciente de mon devoir, je voterai oui ce soir. Oui à la signature. Bruno Stapp. Bonsoir à tous. Bon, on a déjà eu une bonne dizaine d'interventions et je ne vais finalement pas rajouter des éléments très nouveaux, juste remettre en perspective ma manière de voir les choses. Moi, je vais d'abord souligner un premier point qui me paraît, alors j'allais dire paradoxal, mais paradoxal au fait que dans les annonces de qu'est-ce qu'on va faire, dans la lecture première de ce qui est proposé, finalement, plutôt le sentiment, peut-être à part une intervention un peu plus nuancée, qu'il y a de la part de tous à chacun une dénonciation. Dénonciation du fond, voilà, sur la question l'État, la relation avec les collectivités, la question de la décentralisation, etc. Dénonciation de la méthode, dénonciation pour le coup aussi des seuils purement pris, voilà, une moyenne, etc. On partage tous parce qu'on a un peu le sentiment que l'État dicte par définition et sans s'intéresser j'allais dire, aux détails des réalités de chacune des collectivités voilà, qui sont concernées par cette loi, ce qu'elle fait, comment elle le fait et pourquoi elle le fait. Voilà. Moi, je retiens un élément, quand on est sur une moyenne, ça veut dire qu'il y a des maxi et des minimums dans ce qu'on regarde autour de nous. Voilà. Et la question derrière le chiffre moyen, qui me paraît pertinent à poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y en a un certain, enfin, qu'il y a un certain nombre de collectivités qui sont en dessous, et qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de collectivités sont au-dessus de ce chiffre. Et quand c'est au-dessus, ou d'ailleurs en dessous, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Comment? Voilà. Est-ce que pour autant, quand on est en dessous, on est forcément par définition dans la bonne gestion? Est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on est par définition dépensier sans regarder ce qui est fait, etc. etc. Bon. Donc il est sûr que malgré le fait qu'on rajoute ici 0,15% du fait de la population, 0,15% du fait d'être en X% dans la part de la population en quartier politique de la ville, etc., etc. À la fin, ce sont des moyennes et des chiffres, et les réalités locales sont quand même relativement gentiment, voire complètement gommées dans cet élément. Et forcément, chacun des élus perd un petit peu le... pas simplement le pouvoir, mais ce pourquoi il est engagé, voilà, c'est-à-dire essayer de construire quelque chose de cohérent et de pertinent qui répond voilà, aux besoins du territoire, aux besoins de la population. Bon. L'autre élément que je voudrais, enfin, ce qui me paraît paradoxal, pour ça que j'utilisais ce mot, c'est qu'a priori, voilà, ce premier point, tout le monde le partage. Bon. Après, évidemment, on voit bien qu'on ne partage pas forcément... non pas la même grille de lecture, mais les effets de, finalement, malgré tout, je vais faire ou bien je vais rester là-dessus. Il y a aussi un second point sur lequel je voudrais souligner, en tout cas, moi, c'est aussi ma grille de lecture. Moi, je refuse un peu les procès en diabolisation qui seraient faits ici ou là. Je considère,
C'est-à-dire un peu par définition, pas simplement parce que je suis bienveillant par nature, mais c'est parce que je pense qu'on est tous des gens qui se posons des questions. Et si on a des engagements, que ce soit d'ailleurs dans le groupe majoritaire ou dans le groupe de la minorité, on est responsable. Voilà. On est responsable, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on dit, ici, entre autres, dans cette assemblée, qui, pour le coup, effectivement, est une assemblée politique. Voilà. Alors, on sait bien, une grande partie de nos délibérations sont des éléments, on va dire, technico-techniques, et il n'y a pas de valeur ou de principe à défendre lorsqu'on est sur la subvention à une association locale, quand on est sur la reprise d'une parcelle, etc., etc. OK, très bien. Bon. Puis on a d'autres points, évidemment, sur lesquels, à un moment donné, derrière l'élément, on va dire, technico-technique, financier, il y a évidemment les politiques qui sont choisies, les valeurs, les regards qui sont posés, etc. Bon. Donc on est tous, évidemment, responsables, et quelle que soit, j'allais dire, la proposition de vote qui est faite sur cet élément. Il n'y a pas non plus de posture, par définition. Voilà. Enfin, je trouve ça assez osé d'entendre ce mot, parce que si éventuellement il y a bien... une assemblée ou des assemblées dans lesquelles la question de la posture politique se pose, c'est bien les assemblées politiques. Voilà, ou sinon je ne comprends plus rien. Bon, et pour le coup, ce n'est pas une posture, c'est une position qui est prise. Voilà. Alors on n'est pas obligé d'avoir tous la même, aucun problème évidemment, et je partage ça avec tout le monde, mais ce n'est pas une question de posture, c'est une question de grille de lecture évidemment des éléments. Bon. Je refuse aussi la diabolisation sur la question du rapport de force. Voilà. Je ne suis pas persuadé que par définition, on signe en disant qu'on n'est pas d'accord, on est dans un meilleur rapport de force qu'en pas signant. Voilà. De toute façon, le dialogue avec l'État, il est là. Et j'allais dire, il est là quasi par définition. Voilà. On n'est pas en lévitation. On n'est pas sorti de la République, et pas plus nous que les collectivités qui ne vont pas le signer. Parce que s'il y en a un certain nombre qui, visiblement, le signent, il y a aussi un certain nombre qui ne le signent pas. Il y a un certain nombre de grandes régions qui ne l'ont pas signé. Voilà. L'Occitanie, il n'y a pas très longtemps, a refusé de le signer. Voilà. Et il y en a d'autres. Et il y a aussi d'autres villes concernées dans le département qui, visiblement, ne vont pas le signer. Et ailleurs aussi. Bon. Donc, le pourquoi du comment de chacune, voilà, ça appartient à l'ensemble de chacune des assemblées, mais on ne peut pas non plus le poser en disant que, par définition, ça serait mieux de le faire. Bon. Après, je reviens sur aussi ce qui a été dit par quelques-uns, c'est-à-dire on est évidemment dans une espèce de piège qui nous est tendu, voilà. Parce que, soit effectivement, enfin, et on comprend l'idée générale qu'il faille limiter et regarder de relativement près les dépenses des collectivités dans le cadre des finances, etc., etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, comme le disait M. Payette en début de son intervention, les collectivités locales ne sont pas les plus mal loties dans la question des gestions de leurs finances. Alors certes, certaines sont très endettées, d'autres beaucoup moins, ok, mais une fois qu'on a fait le tableau général, globalement, ce n'est pas celle-là où on voit effectivement un creusement des déficits généraux. Parce que déjà, simplement, la règle globalement interdit de partir sur ces éléments-là. Bon. On sait aussi que les collectivités territoriales, et entre autres, évidemment, les collectivités municipales sont parmi celles qui investissent le plus. Il me semble retenir le chiffre que quasiment 70% des investissements publics sont faits dans le cadre des collectivités territoriales. Alors, pas évidemment municipales dans ce cadre, on est bien d'accord, mais ça veut dire effectivement que dans leurs différentes compétences et dans les différents choix qu'elles se sont donnés, elles agissent pour la population. Voilà. Alors, certes, là aussi, on peut toujours avoir le débat de est-ce que c'est bien le moment, est-ce que c'est comme si qu'il fallait faire, est-ce qu'on pouvait faire un petit peu moins, etc., etc. Mais une fois qu'on a posé ce débat, de toute façon, voilà, il y a quand même une logique, c'est que ça répond à un certain nombre de besoins, effectivement, qui sont posés ici. Et donc le piège, c'est de nous dire, si on ne vote pas, on va perdre plus que si on votait. Parce qu'il n'est que là, finalement, le débat. Parce que soit on est dans les purs, des 1,2 ou des 1,35 ou des 1,50 si on bénéficie deux fois des 0,15% parce que, etc., etc. Bon. Mais de toute façon, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'on a déjà perdu des choses. Voilà. Moi, je veux bien entendre que le fait de ne pas voter, c'est faire perdre à la ville 400 ou 500 000. Mais ça veut dire que la ville a déjà perdu 1,2 million ou 1,5 million.
Bah si, si c'est 0,5, bah si c'est 100 000, c'est un quart des 25%. Les 75% de pénalité qui restent, ils sont bien au-delà. Bon. Donc, de toute façon, voilà, il y a des sanctions qui seront posées. Donc, soit on est dans l'épure des 1,35 en se disant, malgré le contexte, malgré la critique qu'on peut y avoir, on se met là-dessus et on n'est pas pénalisé. Soit on est au-dessus, et dans ce cas, effectivement, je trouve que c'est assez légitime de se poser la question de, j'allais dire, du gain et de la perte, pas simplement financière, mais de ce qui est dit derrière. Voilà. Et je trouve effectivement que, si j'entends bien, personne ici a envie de perdre 400 000 ou 500 000 euros par an qui peuvent bénéficier aux investissements, au fonctionnement pour les services soi. Mais pour autant, si le deal, voilà, de ces 0,5% du budget, c'est dire, voilà, le regard de l'État, c'est dire, c'est comme si vous devez faire, c'est comme ça que vous devez faire, etc. Je trouve qu'on perd effectivement quelque chose qui est le libre arbitre de chacune des collectivités. Ce qui est d'ailleurs surprenant, moi, je trouve, dans ce texte, depuis qu'il, enfin, quand il a été fait, et les premières discussions, même si je ne les ai pas suivies, j'allais dire au détail près, que ce n'est pas ma spécialité et mon appétit premier de regarder tous ces éléments-là, c'est que ces chiffres, où je trouve assez logique, voilà, qu'on dise attention à la question de la dépense publique, il faut trouver un chiffre moyen d'augmentation, etc., etc., il n'est pas mis en relation avec la question des recettes. Voilà. Parce qu'effectivement, limiter la question des dépenses sur les villes qui sont en large déficit, qui ont besoin de faire appel à des forts emprunts, qui ont besoin d'augmenter leur impôt pour compenser, etc., je trouvais ça assez logique, évidemment, qu'on, entre guillemets, leur tape sur les doigts. Pour celles pour qui ce n'est pas le cas, je trouve ça assez original de dire que finalement, quelle que soit l'évolution de vos recettes, finalement, on ne regarde que vos dépenses de fonctionnement. Et vous serez sanctionné parce qu'on estime que le critère moyen, c'est ici 1,2, c'est ici 1,35, etc. etc. Bon. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur, parce que, comme tout à chacun, je préférerais avoir, comme tout le monde, non pas une masse et une manne financière à dépenser, mais je préférerais effectivement que on ait des votes et des discussions budgétaires sur des réalités, de ce qui est possible d'avoir, de comment on le fait pour le mieux dépenser pour le bien des Sergissois, et qu'il n'y ait ni de sanctions ici ou là. Mais je trouve que quand on perd cette liberté, on perd aussi le pourquoi de nos engagements sur ces terrains. Voilà. C'est aussi pour ça que, personnellement, ce texte-là ne m'emballe pas et je ne pense pas que ça soit le bon moyen. En tout cas, je ne suis pas persuadé qu'on serait, par définition, dans un mauvais rapport de force si on ne le votait pas, ce qui sera ma position. Abdoulaye Sangaré. Merci, monsieur le maire. La soirée s'étire. Beaucoup ont parlé, il y a eu beaucoup d'interventions. J'essaierai de ne pas être très long. Par contre, j'essaierai aussi de partager ma position par rapport à ce débat qui entre-déchire les communes, les collectivités, qui est important. Certains disent qu'ils font de la politique, mais la vie, c'est déjà de la politique. Sur ce point-là, par rapport à la victoire d'En Marche, la victoire de Macron au présidentiel, avec le fracas que ça fait au niveau des partis, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Parce que M. Macron s'appuie sur son programme pour appliquer ce qu'il a mis dans sa campagne présidentielle. Vous savez tous, autour de cette table, et puis l'assistance et ceux qui nous suivent sur Internet, que cette position, elle est très problématique pour toutes les organisations politiques, pour toute la société, parce que nous avons effectivement une certaine déflagration sur certaines choses et qui déboussole pas mal de gens. C'est pour cela, pour revenir sur ce contrat de contractualisation entre les collectivités et l'État,
il apparaît que ce clivage continue à être présent. Mais de quoi s'agit-il exactement? Beaucoup vous l'avez dit, et je pense que répéter n'est pas forcément une mauvaise chose des fois pour replacer le débat, vu le début du débat et à l'heure où nous sommes aujourd'hui. Ces critères-là, la première adjointe, Mme Yebri, l'a bien dit. C'est par rapport à ces critères-là. Le contrat, c'est nous ne signons pas, nous sommes à 1,2% d'augmentation. Et en cas de dépassement de ces 1,2%, nous avons une sanction à 100% du dépassement qui est déduit, parce que certains l'ont dit, il faut faire de la pédagogie, qui sont déduits de la dotation que le gouvernement fait à la collectivité pour l'année suivante. C'est cela. Je ne parle pas d'autres engagements qui sont moins contraignants, qui sont dans le contrat, mais qui existent, que nous avons tous vu dans la contraction. Ensuite, concernant cette délibération que toutes les collectivités doivent mener, je pense qu'il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions, des négociations, des dénonciations. Mais au final, chaque collectivité a appliqué ce qui était dans l'intérêt de sa collectivité. On a bien vu des maires dire non au nom de ma commune, je ne vote pas parce qu'il a fait ses calculs, il perd que 200 000 euros, il se dit bon, c'est pas grave, je prends ma position politique et je dis je ne vote pas parce que je ne tiens pas à être sous la tutelle de l'État. Je rappellerai juste qu'en tant que collectivité communale, nous nous devons à l'équilibre de notre bilan. On a déjà une contrainte. Nous ne le faisons pas au contrôle de la Chambre régionale des comptes. On peut effectivement, là, par la réglementation, passer effectivement sous tutelle de l'État. Je ne pense pas que ce contrat qu'on nous demande de signer soit à ce titre, au même niveau. Parce que la mise sous tutelle a une définition, et cette définition, elle est bien là aujourd'hui. C'est pour cela, pour Cergy et pour les Cergysois, je pense que ce que certains disent rien, c'est leur essentiel. Madame Carpentier l'a dit au niveau du CCAS, nous voyons beaucoup de gens venir chercher quelque chose, demander pour s'en sortir. La vie n'est pas égale pour tout le monde. Nous le savons tous. Nous voyons des gens quitter leur pays, essayer d'aller trouver un meilleur ailleurs. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Des murs s'ériger, des lois s'ériger. On parlait récemment de Trump qui devait ériger son mur entre le Mexique et les États-Unis. Ouais, c'est pas normal du tout. Mais que faisons-nous aujourd'hui dans ce monde? Tout le monde érige ses murs partout. C'est un grand égoïsme qui se fait. C'est cela la vie. Donc, je pense que chacun est libre. Nous sommes dans une république, chacun a sa voix. Chacun peut dire ce qu'il pense en son âme et conscience. Mais moi, j'ai été élu dans cette ville, avec, comme vous, avec un programme, avec une ambition pour Cergy et les Cergysois. Cette ambition, je ne mettrai à rien pour essayer d'atténuer l'atteinte des objectifs que je voue à Cergy et aux Cergysois que j'aime tant. Alors, perdre 25% ou être pénalisé de 100%, le signer ou ne pas le signer, quel est l'avantage de Cergy? Si ce n'est se positionner par rapport à l'État souverain, dire oui, nous, Cergy, nous avons dit non. Mais vous voyez bien, in fine, c'est les territoires qui souffrent. C'est l'enfant, il y a moins de 3 ans, qui essaye d'entrer dans une école aujourd'hui parce qu'il en a besoin, pour une besoin de socialisation que nous ne pourrons pas accueillir. Aujourd'hui,
Si on devait le faire, il faudrait qu'on ait des classes de tout petits dans tout Cergy. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire parce que l'État, effectivement, nous impose d'avoir 4 classes dessus. Et quand je vois, je reçois encore les familles aujourd'hui par rapport à la scolarisation des enfants, parce que c'est ça leur objectif aussi. Je pense que cet objectif des enfants-là, il est bien éloigné, il est bien éloigné du bras d'honneur que nous voulons faire au gouvernement ou à Macron, à qui que ce soit. Donc je pense, réfléchissons bien, chacun est responsable, le choix de chacun est tout à fait respectable, d'accord. Et donc je pense qu'il faut, moi aujourd'hui, je pense, non Cécile, je n'ai pas encore fini, j'ai encore quelque chose à dire. Hein. Donc on va partir donc pour Cergy et pour les Cergysois. Je demanderai donc à voter pour la signature de ce contrat, pour minimiser les impacts sur Cergy, comme disait l'autre, pour limiter la casse et pour pouvoir donner plus aux Cergysois en ayant bien entendu appliqué nos politiques. Et je finirai juste par faire reconnaître à tous ici, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on l'entend, les services, je vous remercie, parce qu'aujourd'hui tout le monde salue votre compétence, salue votre efficacité. Monsieur le maire, nous ne votons pas contre vous, n'est-ce pas? Donc on salue aussi votre compétence et ce que vous faites pour Cergy et pour les Cergysois. Merci. Moustapha Diouf. Merci. Bonsoir à tous. Moi, sur le sujet de la contractualisation, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai deux axes d'analyse. L'un, politique et éthique. Et je me réjouis d'entendre que tous mes camarades désapprouvent, sont contre aujourd'hui ce dispositif, et c'est mon cas. Je désapprouve parce que c'est, comme ça a été dit, c'est une mise sous tutelle aujourd'hui de notre ville, sans contrepartie réelle en face. Et je désapprouve, comme ça a été dit, au même titre qu'un certain nombre de dispositifs de notre gouvernement actuel, à savoir la loi Asile-Immigration, et le plan banlieue. Pour en revenir sur la contractualisation, éthiquement, effectivement, elle me pose, moi en tout cas, un problème de fond, parce que remise en cause de l'autonomie des collectivités, et je pense qu'aujourd'hui, autour de cette table, on peut s'accorder à dire que c'est cette autonomie de gestion qui nous a permis de mettre en place, de soutenir des politiques publique ambitieuse pour notre ville. Et deuxièmement, l'analyse que je fais également sur ce dispositif, sans trop rentrer dans les détails techniques, c'est qu'aujourd'hui, elle vise à stigmatiser les dépenses de fonctionnement des collectivités, mais qui sont, d'un point de vue budgétaire, oui, des dépenses de fonctionnement, mais qui sont, face à ça, des services publics de proximité auxquels nous sommes attachés. Donc, sur le point politique et éthique, je désapprouve complètement ce dispositif. Néanmoins, aujourd'hui, je suis un élu municipal, un élu de proximité, parce qu'avec une délégation de quartier, il a beaucoup été question, je l'ai entendu, au cours des différentes interventions, de responsabilité. Moi, aujourd'hui, effectivement, j'ai une responsabilité, tout comme vous, face aux Cergysois, face à nos associations et à l'ensemble des acteurs de la vie locale et citoyenne. Et c'est au nom, aujourd'hui, de cette responsabilité que je me pose deux questions. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à risquer les montants qui ont été évoqués, on parle de 400 000 euros, 450 000 ou 500 000 euros. Et dans le même temps, est-ce que je suis prêt à risquer les dotations de soutien à notre investissement? Aujourd'hui, moi, en tout cas, quand je me pose la question, et comme je le disais par rapport à la responsabilité que j'ai, je ne suis pas prêt à prendre ce risque, même si je conçois que en étant contre ce dispositif, mais en ne voulant pas prendre le risque de perdre cet argent-là ou cet investissement-là, je fais le choix du moins pire. Et c'est dommage.
Mais aujourd'hui, il faut prendre une décision. Et j'ai la sensation, en tout cas, de prendre la bonne décision pour nos Sergissois, pour qu'on puisse continuer à soutenir nos politiques publiques. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur la contractualisation. Merci. Tout le monde est intervenu au moins une fois. Je propose maintenant de conclure les débats. Non, parce que sinon, on va relancer la mécanique. Il est 10h30. D'accord, avant que je conclue. Merci, monsieur le maire, de m'accorder la parole une nouvelle fois. J'entends la question des 450 000 euros. Non, attendez, si c'est pour relancer le débat. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'est exprimé. Non, je ne relance pas le débat, je pose une question. Tout le monde s'est exprimé. Je dis que ni dans la délibération, ni dans aucune intervention ce soir, on a fait la démonstration que l'hypothèse la pire était réaliste. Il n'y a pas cette démonstration dans la délibération, il n'y a pas cette démonstration dans les propos qui ont été tenus. Délibération, par ailleurs, qui, ça l'a été rappelé, est arrivée dans des temps qui ne sont pas légaux et qui peut être entachée d'illégalité. Merci. Donc, je vais conclure ces débats. Dans sa première conférence des territoires, le président de la République annonçait une nouvelle méthode de travail entre les collectivités locales et les pouvoirs publics. Il annonçait aussi une augmentation de la contribution des collectivités locales au déficit public, qui passe de 10 à 13 milliards d'euros, sans concertation avec les associations d'élus locaux. Ce n'est pas la première fois que les pouvoirs publics, dans le cadre de la contractualisation avec l'Europe, ce fameux 3%, ponctionnent les collectivités locales à un niveau déraisonnable pour diminuer le déficit public. Sous le mandat de Nicolas Sarkozy, les dotations sont d'abord gelées, puis commencent à baisser à hauteur de 1,2 milliard d'euros en 2012. Sous le mandat de François Hollande, les dotations aux collectivités locales au cumulé diminuent de 10,5 milliards d'euros. Sous le mandat d'Emmanuel Macron, la baisse se poursuit avec un plan de réduction de 13 milliards sur 3 ans de 2018 à 2020. Toutes ces hausses de contributions sont légitimées par celles liées au redressement des comptes de l'État. Pour autant, la part de la contribution demandée aux collectivités locales est, disons-le, clairement inique. D'une part, les finances des collectivités locales, et notamment le bloc communal, sont excédentaires depuis 2015. D'autre part, les collectivités locales doivent contribuer à hauteur de 25% de l'effort de réduction des déficits publics, alors qu'elles ne représentent que 9% de la dette publique. Dans les faits, et encore en 2007, comme le rapport de la Cour des comptes vient de le sortir depuis maintenant un petit mois, le déficit de l'État a augmenté de 10 milliards, alors que les finances des collectivités locales sont à l'équilibre, même si 500 communes présentent aujourd'hui un déficit de fonctionnement. La relation entre les collectivités locales et l'État n'est donc pas un long fleuve tranquille. Ce mouvement traduit dans les faits par une privation progressive de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Il touche précisément, et je pense que cela a été très bien dit tout à l'heure, les collectivités les plus proches des citoyens et les plus à même de leur offrir des services publics de proximité. Je reviens sur cette chronologie depuis 2012 pour montrer que le changement voulu par le gouvernement Macron ne tient pas seulement aux baisses de dotations, puisque vous l'avez vu. Ces dernières diminuent depuis 3 mandatures différentes. Mais bien dans la méthode Macron. Au départ, sous l'égide de l'Association des maires de France, le gouvernement crée la Conférence des territoires, instance d'écoute et de dialogue. Elle amorce le premier pas vers une loi de finances dédiée aux collectivités locales, afin de copartager des décisions plutôt que de les imposer. Très vite, la Conférence des territoires se transforme en une chambre d'enregistrement. Le gouvernement, lors de la conférence des territoires à Cahors, propose pour finir
un système de contractualisation d'une extrême complexité. Et je pense que les débats que nous avons eus dans cette salle montrent que la complexité est telle que les interprétations sont différentes. Les collectivités territoriales sont soumises à un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement dont elles doivent limiter l'augmentation à 1,2% par an. En Île-de-France, ce sera 1,1% en moyenne. Cette méthode, et ça a bien été dit, correspond à un premier acte de remise en cause des lois de décentralisation de 1982. C'est un contrat léonin avec des bâtons et une carotte. Pourquoi, dans ces conditions, est-ce que je vous présente aujourd'hui ce projet de contractualisation ? Je le présente parce qu'aucun des acteurs représentant les collectivités locales n'a été capable de prendre une position commune. France Urbaine, pour les grandes villes et les grandes intercommunalités, a négocié en permanence avec les représentants du ministère des Finances. L'Association des départements de France a mis dans la balance les questions du financement des mineurs non accompagnés et des aides individuelles de solidarité. N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a décidé de ne pas signer. Enfin, l'Association des maires de France a dénoncé la contractualisation tout en laissant les collectivités libres de leur choix. Je suis membre du comité directeur de l'Association des maires de France. J'ai proposé à mes collègues maires de gauche, PS, PC, Vert, divers gauche, de prendre une position commune en refusant la contractualisation au mois de mai. La plus grande partie des communes ont refusé d'entrer dans une démarche collective. Chacune des communes s'est alors engagée dans une démarche individuelle de négociation avec l'État. Et c'est là toute la faiblesse aujourd'hui de la situation dans laquelle on est, c'est qu'en absence de démarche collective, il y a à ce moment-là plus que des démarches individuelles. À date, 25% des départements ont contractualisé toute étiquette confondue. 95% des métropoles et des intercommunalités ont signé la contractualisation. Paris, Strasbourg, Rennes, Nantes, Lille, et je peux continuer la liste. La région Nouvelle-Aquitaine a voté la contractualisation. De même, on en parlait tout à l'heure, déjà 100 communes, je peux rajouter une commune puisque Saint-Denis vient de signer, 101 communes sur les 145 concernées ont voté la contractualisation, toutes tendances politiques confondues. Villes sur 15 de Seine-Saint-Denis, dont nous connaissons tous les difficultés structurelles, ont voté la contractualisation. De nombreuses villes socialistes, LR, UDI, Vert, ont signé, et bien évidemment, ce n'est pas une surprise, Modem est En Marche. Alors voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et vous le savez aussi bien que moi, et ceux qui sont autour de cette table le savent aussi bien que moi, tous, à un moment donné, sont rentrés en débat et en essayant de contractualiser avec l'État. Tous, sans exception, autour de cette table. Alors, maintenant, en fonction de ce qu'on a obtenu ou pas obtenu, on contractualise ou on ne contractualise pas. Vous voyez, les prises de position dans les communes transcendent les partis politiques, transcendent les associations de collectivités locales. Car ce débat porte uniquement sur le montant de la baisse des recettes du budget de 2019. Il est facile de voter contre lorsqu'une collectivité locale ne perd pas de recettes l'année suivante. C'est le cas du département du Val-d'Oise. Très clairement, si la ville de Cergy avait été dans cette position de se dire « je ne perds rien », bien évidemment, j'aurais voté contre. Bien évidemment. En revanche, il est plus difficile, en responsabilité,
de voter contre lorsque la collectivité va perdre des recettes en 2019. Ce sera le cas pour Cergy. En contractualisant, nous perdons au minimum 1 million d'euros. En ne contractualisant pas, nous perdons 1,5 million d'euros de recettes. D'aucuns affirment que la ville peut absorber très facilement une baisse d'un million plus 500 000 euros. Mon analyse est différente, et ceci pour trois raisons. La première raison est que l'équipe municipale a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux et a continué à investir à un niveau jamais atteint, soit 22 millions d'euros en 2017. Et je ne souhaite pas compenser cette baisse de dotation en 2019 par une augmentation d'impôts, comme l'ont fait au début de mandat le Conseil départemental, pour répondre à la croissance des dépenses sociales de fonctionnement, et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise pour favoriser les investissements. À Cergy, nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts en début de mandat. Et donc, la situation est là. Le taux de prélèvement en 2017 en France n'a jamais été aussi élevé, atteignant 45,7% des revenus. Et donc, je ne vois pas, compte tenu aujourd'hui de la situation, l'année 2018 qui n'annonce rien de bon, augmentation des carburants, augmentation des fluides, augmentation des taxes, je ne vois pas aujourd'hui proposer une augmentation d'impôts, aujourd'hui et demain. Et donc, à partir de là, il nous faut trouver aussi les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas atteindre l'objectif fixé. La deuxième raison est que la ville a fait déjà de nombreux efforts de gestion depuis 2014. Les dépenses entre 2014 et 2016 ont baissé de 1,9%. 1,9%. Alors que la moyenne nationale est de 0,61%. Des efforts ont été déjà faits. La ville a connu en 2017 de très faibles dépenses de fonctionnement. Et comme l'a très bien dit M. Payette, nous étions à peu près à 95%. Taux jamais atteint, et que d'un jour on pourra vous expliquer la situation. Or, l'analyse que nous faisons aujourd'hui, c'est que ce taux de 95%, et quand on le regarde sur longue période, est un taux exceptionnel, lié à des événements exceptionnels. Et qu'en moyenne, nous sommes à peu près à 97% de taux d'exécution, sans équipement nouveau. Et c'est là que vient la troisième raison, c'est que nous avons un programme et un plan d'action. Nous avons, et je vais lister les projets parce que certains ont été oubliés, 2018, rame, crèche, et donc un nombre de berceaux supplémentaires qui prennent en plein l'activité. Nous avons également dédoublonné les classes. Je vous rappelle, 15 classes dédoublonnées. Nous ouvrons des classes maternelles. Voilà la réalité. Et cet accompagnement de population, il faut bien évidemment le faire. Et tout ça a un coût. On a évalué en brut, parce que je ne veux pas revenir sur les débats techniques, en brut, une crèche de 60 berceaux, c'est aujourd'hui 1 million d'euros de dépenses de fonctionnement. Un groupe scolaire de 18 classes, comme on fait aujourd'hui, plein, c'est 1,5 million d'euros de dépenses de fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe en 2019? Ouverture d'une crèche, ouverture d'un groupe scolaire qui a été oublié. Qu'est-ce qui se passe en 2020? Ouverture d'une crèche, ouverture d'un groupe scolaire également. Et qu'est-ce qui se passe en 2021? Ouverture d'un groupe scolaire. Voilà la réalité. Voilà la réalité de cette ville, comment on accompagne aujourd'hui l'ensemble des populations. Tout cela a un coût. Et que aujourd'hui, nous, ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas perdre, je dirais, de la part de notre ville, de nos élus, le fait qu'il faut réussir à accompagner ces dépenses de fonctionnement par, je dirais,
une contractualisation. Si nous ne faisons pas ça, si nous ne faisons pas ça, il est clair qu'à un moment donné, la situation, et on me dira à ce moment-là où on doit trouver l'argent, c'est toujours intéressant de trouver l'argent, alors que je viens de vous évoquer tout simplement que chaque année, nous allons avoir en moyenne plus d'1 million d'euros de dépenses de fonctionnement liées à l'accompagnement des populations nouvelles. Voilà la situation, voilà le choix que nous faisons aujourd'hui. Et toutes ces actions, vous l'avez bien compris, demandent du personnel supplémentaire et la participation de tous les acteurs au financement de ces investissements. Pour ces trois raisons, je fais le choix de protéger ma ville, de protéger notre ville. Je protège les Cergissoises et les Cergissois, mais pas à n'importe quelle condition. Depuis plusieurs semaines, nous négocions pied à pied avec l'État. Et je remercie à ce titre toutes celles et ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ces négociations. En premier lieu, Malika Yebri, première adjointe aux finances, les élus pour leur soutien et les services pour leurs compétences. Nous avons obtenu que les spécificités de la ville de Cergy soient intégrées dans le contrat. Des dépenses de fonctionnement faibles, une année 2017 exceptionnelle dans ces dépenses, la croissance de population, la construction de logements. Nous avons également négocié avec la préfecture une clause de revoyure tous les 6 mois, prévoyant la possibilité de revoir les engagements pris et la possibilité de sortir de la contractualisation si l'État ne respecte pas les engagements sur la politique de la ville et sur la politique de renouvellement urbain. Nous pouvons sortir tous les 6 mois de ce contrat. Et ça, c'est aussi un point extrêmement important qui nous permet également, qui nous permet également de pouvoir dire que nous sommes dans une situation qui a permis, dans les négociations très récentes, de rentrer dans ces contrats. Et pourquoi autant de villes signent aujourd'hui et vont signer encore demain? C'est tout simplement parce que nous avons la possibilité, à un moment donné, de revoir, au bout de 6 mois, la situation. Vous le voyez, donc ce n'est pas donc un chèque en blanc, loin de là, et j'y veillerai. Et nous aurons ces débats en conseil municipal, bien évidemment. C'est aussi une démarche qui engage l'État à revoir les termes d'une contractualisation, certes à sens unique. Je m'inscris donc, vous l'avez bien compris, dans le développement et le modèle de développement de cette ville, choisi par mes prédécesseurs, Isabelle Massin et Dominique Lefebvre, et aujourd'hui avec notre équipe municipale, afin que ce modèle perdure à un moment où pèse tant d'incertitudes sur les finances des collectivités locales. Je reste fidèle à nos valeurs, aujourd'hui et demain. Je vous propose maintenant de passer au vote. Nous avons aujourd'hui 45 votants qui sont soit présents, soit dûment représentés. Donc nous allons commencer par le vote contre. Qui est contre ?
4 abstentions. Non, il n'y a pas d'abstention. Il n'y a pas d'abstention. Je reprends. Abstention. Ne prends pas part au vote. 3, 4. Donc le résultat, 21 pour, 20 contre et 4 qui ne prennent pas part au vote. Je vous remercie pour ce débat extrêmement intéressant et qui fixe, je pense, la façon dont on souhaite avancer et qui, je prends le rendez-vous ici, nous permettra d'être globalement dans un débat dans 6 mois pour revoir l'état d'avancement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas d'avancée, il y aura bientôt un débat sur la sortie de la contractualisation. Alors, je propose de passer maintenant à l'ordre du jour. Alors, je vous propose, donc il y a le compte de gestion, donc je propose de sortir de... Je peux rester, mais voilà. Mais je lui laisse la présidence de séance. Bien, je vous propose de passer aux délibérations qui ne sont pas soumises à débat. Alors... Compte administratif 2017, budget principal. Qui vote contre ? Opposition. Qui s'abstient ? Compte administratif, qui s'abstient ? Qui vote pour ? Majorité. Compte administratif, budget annexe. Vote contre. Qui s'abstient? Majorité. Compte de gestion 2017, budget principal. Qui vote contre? Qui s'abstient? Majorité. Eh bien, on peut reprendre, le maire peut donc reprendre la présidence de séance. Budget annexe, compte de gestion 2017, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Majorité. Et donc, effectivement, le maire reprend la présidence de...
sur cette délib ou nous demande encore de remettre un peu d'argent dans le jackpot, on votera contre. Ça nous pose un certain nombre de questions, puisque ce projet a été, à l'époque, il y a maintenant 10-12 ans, programmé. On aimerait bien savoir quelle est aujourd'hui la viabilité économique de ce type d'installation, parce qu'on voit bien que le contexte qui était celui d'il y a 12 ans a pu largement changer, et on voit sur l'ensemble de l'Île-de-France fleurir des ports de plaisance, hein, c'est vrai sur le territoire valdoisien, mais c'est vrai globalement sur l'ensemble de l'Île-de-France. On est là sur un projet en bordure de fleuve, et on a bien vu d'ailleurs encore très récemment l'épisode avec les évolutions climatiques que nous aurons, ça nous interpelle là aussi quelque part. Qu'est-ce que cela veut dire en termes de constructibilité? Qu'est-ce que cela veut dire en termes de contraintes que l'on aura sur la construction et donc en termes de coûts? Et puis ensuite, il y a une question sur que l'on a là des terres agricoles. On parle souvent de rapprocher la production des lieux de consommation. Donc si on les supprime, quelque part, la question que l'on pose aussi, c'est si nous rentrons dans la philosophie de l'ERC, éviter, réduire, compenser, quelles mesures pourraient et sont prévues et pourront être prises pour être dans une stratégie de réduction ou de compensation de l'impact environnemental, etc. etc. Voilà. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas cette délibération. Voilà, brièvement, donner l'explication de vote. Ça mériterait. Okay, dès qu'on aura un dossier qui permettra d'être présenté en conseil municipal, bien sûr, nous le ferons donc contre. Donc là, donc 4, ça veut dire 4 contre, l'opposition pour, abstention, contre aussi, d'accord. Qui? Ah d'accord, ok, donc 6 contre. Monsieur le maire, moi je vote pour et j'ai pouvoir de monsieur Sadek Abrous, donc 2 okay. Oui. Donc 7 contre, 11 abstentions, du moins, oui, je pense que je ne sais pas s'il y en a 11 encore, mais c'est parce qu'il n'y a plus de personne, mais voilà, si c'est bon, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est bon, allez, bah, allez, on va dire 11, ok, et le reste pour, donc après, nous sommes création d'une réserve communale de sécurité civile, unanimité, mise à jour du plan communal de sauvegarde. Majorité pour, autorisation donnée au maire ou à son représentant de signer l'avenant numéro 2 du marché pour la réalisation de travaux de réhabilitation et l'extension du groupe scolaire de SLALALSH des Essarts. Majorité pour, autorisation donnée au maire ou à son représentant de signer l'avenant numéro 3 pour la réalisation des travaux de réhabilitation et l'extension du groupe scolaire. Majorité pour, convention d'enfouissement tripartite Sirtec, rue de la Prairie. D'accord, donc jusqu'au 27, normalement, il y a unanimité. Donc, on est à 28 accords cadres, voirie, réseaux divers et espaces verts. Majorité pour. Donc, il est proposé de prendre acte sur rapport d'activité 2017 de la concession de distribution de gaz. Nous prenons tous acte. Autorisation donnée au maire ou à son représentant sur le marché relatif aux prestations d'entretien des espaces verts du patrimoine arboré. Majorité pour. 31 mandats spéciaux pour les élus municipaux dans le cadre de la coopération décentralisée Sergi-Thiès. Oui. Majorité pour, prise en charge des frais de mission dans le cadre de la coopération décentralisée Sergi-Thiès. Donc 32. Majorité pour, modification du règlement périscolaire. Unanimité. Celle d'avant, unanimité. Ok. Oui, donc unanimité 32. 33. Donc majorité pour, tarification des prestations périscolaires du mercredi matin 34. Majorité pour, autorisation donnée au maire de signer la charte ville de Sergi Éducation nationale portant sur l'utilisation des locaux des matériels des écoles. Majorité pour, désignation des représentants au conseil d'administration des collèges et des lycées. Majorité pour, il décide de prendre acte du rapport 2017 de la délégation de service public pour la crèche des merveilles. Convention tripartite, communauté d'accord, ok, donc unanimité pour la 35. 38.
8, convention tripartite communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, aménagement ville de Cergy pour la construction d'une crèche des Hauts-de-Cergy, celle qui arrivera en 2020. Voilà, donc majorité pour. Révision du dispositif d'aide aux sportifs pratiquant à haut niveau présent sur les listes ministérielles. Donc, qu'est-ce qu'il y a jusqu'à la 46 des interventions? Pas d'intervention et donc unanimité jusqu'à la 46. Et on passe à la 47. Rita Riffer pour le Café des artistes du Festival Cergissois. Majorité pour. 48, présentation de la nouvelle grille tarifaire pour les spectacles proposés dans le cadre de la programmation de l'Observatoire du Visage du Monde. Majorité pour. Mise en place d'une formation professionnalisante de professeurs de hip-hop au centre de formation de danse de présentation de la grille tarifaire. Majorité pour. Attribution du prix du centre de formation de danse. Unanimité. Projet visant la valorisation de l'église Saint-Christophe. Unanimité. Renouvellement du projet social de la maison de quartier des Hauts-de-Cergy. Majorité pour. Attribution de subventions dans le cadre du fonds aux initiatives locales. Donc de 53 à 58, si tout le monde est d'accord, unanimité. 59. Modification du tableau des effectifs. Majorité pour. Révision de la partition de la ville à la protection sociale complémentaire des agents. C'est étonnant. Unanimité. Signature des amendements à la convention mutualisation CIG relative à la convention de la participation 2013-2018. Unanimité. Création de 15 postes en CUI-CAE. Unanimité. Création de 4 postes adultes relais. Excusez-moi, j'ai pas. D'accord, majorité pour. Plan de formation 2018-2020. Unanimité, constitution d'un groupement de commandes pour lancement d'un marché relatif à un accès Internet au débit sécurisé, à haute disponibilité et d'un marché relatif à la maintenance du réseau de fibre optique. Majorité pour. 66 situations données au maire ou son représentant signe l'accord cadre multi-attributaire. Majorité pour. Remboursement sinistre usager. Unanimité, demande de subvention, donc 68, hein, demande de subvention auprès de tout organisme financier pour la montée en gamme et sanction du système vidéo de protection. Unanimité et présentation des décisions aux maires 28 à 47. Pas de questions, donc maintenant je propose de passer à la question diverse, donc c'est Marc Denis qui la présente. La motion. Oui, on vous propose une motion finalement qui est un petit peu en lien avec le débat qu'on avait tout à l'heure, puisqu'on va revenir sur des questions, y compris de moyens budgétaires. Je ne vais pas vous faire tout un long laïus sur le climat, l'impact climat, etc. Vous en avez tous causé. Simplement pour vous rappeler qu'en matière de politique publique, énergie, air, climat, l'État, à travers différentes lois, a transféré des compétences vers les collectivités territoriales. Principalement les intercos, l'échelon, on va dire, communal et régional. Il est reconnu de tout le monde que même si les impulsions doivent venir à la fois de politiques qui se décident, qui se travaillent au plan européen, qui se travaillent au plan national, que la capacité à faire, que la traduction opérationnelle se fera sur les territoires et que la place des collectivités locale et régionale est extrêmement importante dans ce cadre-là pour lutter contre la question du changement climatique, développer les renouvelables, etc., etc. Dans le même temps, a été instaurée ce qu'on appelle la CCE, la contribution climat-énergie, qui voit son montant augmenter de façon assez conséquente depuis quelques années, d'ailleurs qui a été accélérée dans la dernière loi de finances. Et l'ensemble de cet argent, aujourd'hui à peu près d'ordre de 7 à 8 milliards en 2018, à terme en régime de croissance, ce sera plus de 15 milliards d'euros, l'ensemble de cet argent rentre dans les poches de l'État.
Et donc, il nous semble important qu'une partie de cette contribution soit fléchée sur de l'action en matière climat, air, énergie territoriale pour soutenir les régions et l'échelon communal et intercommunal à mettre en place ces politiques. C'est une revendication depuis maintenant près de 3 ans hein, qui est portée par plusieurs associations d'élus. L'association des régions de France, par France Urbaine, par l'AMF, par l'association des communautés de France, et puis par d'autres structures type Amorce, qui regroupe là aussi des collectivités territoriales. Bref, on a un grand panel de structures regroupant des représentants des collectivités territoriales qui plaident en ce sens. Voilà ce que je vous proposais ce soir comme motion. Ce débat-là, par trois fois, il est déjà venu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Par deux fois, cette orientation a été adoptée, votée par le Sénat, mais retoquée par l'Assemblée nationale. Et comme on rentre dans une phase de discussion, de préparation de la loi de finances dans les prochaines semaines, donc il y a eu plusieurs conférences de presse encore la semaine dernière et il y a eu une nouvelle conférence de presse de l'ensemble de ces associations la semaine prochaine pour défendre cette territorialisation de la contribution climat-énergie. Et donc il me paraissait important que cette demande des collectivités de ces organismes soit soutenue par nous-mêmes. Et je préviens tout de suite de Dominique que demain je déposerai la même motion pour l'agglo, pour la faire voter là aussi à l'agglo, puisque on est chef de fila sur ces questions-là, et donc on y a là aussi nous tout intérêt. Voilà, rapidement. Et si vous avez des questions, j'y répondrai, mais je préfère faire court. Voilà, y a-t-il des interventions, voilà. Monsieur Payette, et s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir pour qu'on puisse passer au vote après. Oui, très brièvement, pour dire que un moment où effectivement l'État demande aux collectivités locales de faire des efforts sur les économies, je crois qu'il est de bon ton effectivement de dire aussi à l'État que lui également doit participer aux politiques publiques qui sont portées localement. Et quand, en l'occurrence, on demande aux collectivités locales et aux EPCI de porter des politiques en matière de développement durable, il va de soi qu'on attend aussi de l'État qu'il mette en face les financements qui permettent de poursuivre plus loin ces politiques publiques. Et donc, ce que nous dit Marc Denis et ce qui a été envoyé comme vœu nous convient bien, à savoir l'idée qu'il est utile que les collectivités locales récupèrent une partie de cette taxe pour mettre en œuvre les politiques publiques en matière de développement durable. Et je conclus en disant que plus on peut mutualiser à l'échelle des intercommunalités ces compétences-là, et mieux on se portera. Donc je continue de marteler le message selon lequel on gagnerait à aller encore plus loin dans la mutualisation d'un certain nombre de services aux échelles intercommunales. Je vous remercie. Si Marc, tu veux répondre ? Non, c'est pas vraiment une réponse, c'est juste une remarque pour faire le lien avec le débat que l'on avait tout à l'heure. On voit bien que l'État demande à ce que l'on maîtrise au mieux nos dépenses de fonctionnement. Et alors j'en profite lâchement pour vous dire que les dépenses d'énergie, quand vous regardez dans le budget de fonctionnement, combien ça pèse selon les communes, mais c'est quand même généralement entre 5 à 10 % des dépenses en fonctionnement hors masse salariale. Donc c'est un poste, le poste énergie est un poste important, et que si on fait 20, 30 % d'économie d'énergie sur ça, c'est 2 à 3 points de marge de manœuvre que l'on retrouve. Donc dans ces périodes de disette, ne baissons pas la garde sur les questions de maîtrise de l'énergie. On a tout à y gagner, c'est des marges de manœuvre, c'est des points de marge de manœuvre qui sont regagnés. Voilà. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. Et merci, Marc, pour cette contribution. Je vous remercie pour cette réunion de ce soir, ce conseil municipal, qui a, je pense, été l'objet d'un bel échange, et je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir. Merci à vous.
il y a peut-être des signatures encore, je pense. Oui, voilà. Donc ne partez pas ceux qui n'ont pas signé, parce qu'il faut signer le compte administratif. Merci.